Et bonsoir le live, comment allez-vous? Désolée pour ces deux petites minutes de retard, on était parti à papoter, hein, voilà. Heureusement qu'on a que 2 minutes de retard au final. En tout cas, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Akiel Fire pour un nouvel épisode de Dis, c'est quoi ton jeu? Et ce soir, j'accueille Hector, l'auteur de Reik. Bienvenue à toi. Bonjour. Merci d'être là. Est-ce que tu veux bien te présenter brièvement pour les viewers et nous dire comment tu en es venu à devenir auteur de jeu? Oui. Bonjour à tous déjà. Moi, je m'appelle Hector ou Bronbert sur Twitch. Alors, auteur de jeu, c'est tout nouveau du coup. Et je ne suis pas le seul auteur de Reik puisqu'on a un groupe de 5 auteurs. Et c'est surtout parce que j'ai joué au jeu de rôle depuis toujours. J'ai découvert le jeu de rôle vers mes 12-13 ans avec des amis. On a toujours joué ensemble et j'ai commencé à créer ce jeu-là, et j'en parlerai peut-être de la création plus tard, mais j'ai commencé à créer ce jeu petit à petit en faisant des streams comme ça sur Twitch pour le plaisir quoi, de raconter une histoire. Et cet univers de Reik s'est petit à petit formé dans mes campagnes sur Twitch. Et un jour, j'ai réuni ces 4 autres amis, dont 3 avec qui je jouais depuis toujours, en disant il est peut-être temps que cet univers devienne vraiment concret, avec des règles aussi adaptées à l'univers. Et donc on s'est réunis pour créer notre tout premier projet. Voilà, on avait déjà pu être auteur de quelques petits projets avant, mais qu'on ne pouvait pas mettre en public, c'était vraiment un truc privé entre nous. Et là on s'est dit, ça y est, on se lance dans le grand bain pour tenter de s'éditer. Ah là là, gros projet. Et c'est quoi ton expérience dans le jeu de rôle? T'as des jeux préférés Ouais. Comment Pourquoi Pourquoi ça fait... Alors, j'ai commencé quand j'avais 12 ans en découvrant avec Warhammer le jeu de rôle, qui m'a suivi très longtemps et je pense qu'il m'a sûrement beaucoup marqué parce que même quand j'ai écrit mes histoires, je pense qu'il y a beaucoup de Warhammer qui m'a inspiré, sans que je m'en rende compte même. Donc, l'ère classique, pas le 40 000. Et donc là, ça, j'y ai joué pendant 8-9 ans, pas en tant que maître du jeu, vraiment en tant que joueur et un ami qui était maître du jeu. On y a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. On a commencé à faire des petits dérivés, nos propres petits trucs, nos homemade quoi, de Warhammer. Et à un moment, les études supérieures sont arrivées, on s'est séparés. Et on n'avait plus le temps de se voir, on était dans d'autres villes, des choses comme ça. Et un jour, on se retrouve tous au même endroit. Et je me dis, tiens, si j'achetais un nouveau jeu, je venais de découvrir avec un autre ami la seconde édition de Donjons et Dragons, une vieille, vieille, vieille édition, sur un one-shot qui m'avait beaucoup plu. Et quand j'avais dit j'aime beaucoup, qu'est-ce que je peux me procurer? Lui, il détestait D&D 5e édition. Donc il m'a dit surtout pas D&D 5e édition, ok. Et il m'a dit, c'est Pathfinder. Et donc j'ai acheté Pathfinder et j'ai joué avec mes amis du coup. Là, cette fois-ci en tant que maître du jeu. Ça fait maintenant 8 ans, 9 ans que du coup je suis maître du jeu Pathfinder vraiment à fond. Et vu que Pathfinder, je me suis pas trop renseigné sur le lore, du coup j'avais pris les règles Pathfinder, j'avais commencé à créer le lore de Reik autour. On pourra en parler plus tard parce qu'il s'est passé beaucoup de choses qui ont fait que Reik est vraiment arrivé. Mais voilà, ça a été ma grosse expérience. Ouais. Warhammer en tant que joueur, Pathfinder en tant que MJ, c'est vraiment mes deux grosses expériences de jeu de rôle. Okay. Donc Warhammer, c'était ta première fois? Ouais, totalement. Moi aussi. Incroyable. Et je me suis fait one shot. Bon, voilà. Non, moi j'ai fini la campagne impériale. Je suis devenu quelqu'un d'important. on va parler du jeu. Donc je vais vous lire le petit pitch. Donc, en l'an 1453, après Bellirius, Caltéon pense encore les blessures de 8 siècles d'horreur au cours desquelles le dieu du massacre, Bellirius, a soumis le monde et le panthéon divin. Repoussé grâce à la puissance d'un artefact antique appelé Reik, il serait retourné se terrer au fond de la fosse infernale pour préparer son retour aux côtés de ses armées démoniaques. Pour survivre à l'avènement de Bellirius, les Caltéens se cachèrent dans les cités souterraines. Coupés de leur source de magie, ils se tournèrent vers un nouveau domaine, encore inexploré jusqu'ici, la technologie. Ce fut un âge d'or voyant fleurir des cités souterraines aux mille merveilles. Lorsque les dieux chassèrent les démons du monde de la surface, ce fut un nouveau cataclysme pour les Caltéens. Leurs cités s'effondrèrent, et alors qu'ils venaient de retrouver le soleil et l'utilisation de la magie, nombre de leurs découvertes technologiques furent perdues dans les vestiges de leurs cités souterraines. La technologie refait surface aujourd'hui peu à peu, grâce à la célèbre et puissante guilde des archéologues. Les siècles passant, le Reik est peu à peu devenu un objet de légende, et l'attaque des créatures de la fosse fut lentement oubliée. Les guerres entre les royaumes ont repris, mais une menace gronde au-delà de délivrance, le mur que les dieux ont construit pour empêcher les démons de revenir.
Une organisation mondiale s'est organisée à ses pieds depuis quelques dizaines d'années et se bat chaque jour pour empêcher les légions infernales de dépasser le dernier rempart qui les sépare de Caltheon. Mais les démons sont de plus en plus nombreux et ingénieux. Les défenseurs du mur craignent que le retour de Belirus ne vienne briser leur paix fragile. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ton jeu? Ouais, alors, comme tu l'as très bien expliqué, Rake, c'est un monde qui, il y a maintenant 1453 ans très précisément, était un monde médiéval fantasy assez classique, qu'on pourrait voir dans un Donjon et Dragon, voilà, avec des chevaliers et des mages. Et le monde était une seule et unique Pangée. Et donc, dans ce monde, divers dieux vivaient, et surtout, ils s'étaient tous mis d'accord sur un truc, il faut qu'on crée un jour un artefact qui s'appelle le Rake, qui combine la puissance de nous tous, au cas où une menace extra-planétaire venait à arriver contre nous, parce qu'on sait qu'on n'est pas les seuls habitants de tout l'univers. Voilà, on est une terre parmi d'autres, donc il faut pouvoir s'en protéger. Mais un homme a pris ce secret, il s'appelait Belirus, et qui, pour beaucoup de raisons différentes, mais notamment une histoire d'amour, en voulait énormément, et oui, en voulait énormément aux Caltéens. Il a voulu se venger, en tout cas, sur les Caltéens, et surtout sur les dieux, puisqu'il considérait la mort de la femme qu'il aimait comme étant la faute des dieux. Et il a, petit à petit, après plein d'aventures qui sont détaillées dans le livre, réussi à mettre la main sur le Rake, et c'est là qu'il a utilisé la puissance du Rake pour mettre à genoux tout Caltheon. Et donc, comme tu as dit, les dieux étaient incapables de l'arrêter, les Caltheens se faisaient massacrer, et donc la seule solution trouvée, ça a été de les cacher. Cacher au plus profond de la Terre pour que Belirus ne les trouve jamais. Et c'est là où les Caltheens ont été totalement dépourvus de magie, parce que pour utiliser la magie, il faut utiliser les Vendnim qui sont sur la surface. Mais Belirus n'était pas le seul danger. Dans Caltheon, il y a d'autres monstres qui peuvent errer, non, notamment dans les souterrains. Et oui, et donc, pour survivre, il a fallu trouver de nouvelles armes. Et c'est comme ça que la technologie s'est développée pendant 8 siècles pour arriver à une technologie comme nous, on qualifierait de steampunk. Et donc, lorsque Belirus, un jour, fut repoussé, alors on ne sait pas trop pourquoi. Les grandes théories, ça aurait été qu'il aurait voulu briser le tabou de la mort et aurait essayé d'utiliser le Rake pour ressusciter la femme qu'il aimait. Chose totalement impossible. Et donc le Rake se serait brisé dans ses mains, et surtout la grande Pangée s'est séparée en 5 continents. Et donc d'où le grand cataclysme dont on parlait, avec toutes les cités qui se sont effondrées. Et les gens, quand ils sont sortis à la surface, évidemment, ils ont redécouvert la magie, redécouvert tout ça, et se sont dit « Attendez, je peux lancer une boule de feu en claquant des doigts, pourquoi utiliser une technologie qui risque de m'exploser entre les mains si je l'utilise trop ?» Moi, je vais lancer mes boules de feu, la magie. Donc tout le monde a commencé à se totalement oublier la technologie, s'en moquer pendant des siècles, des siècles. Ils ont préféré se faire la guerre entre eux, des guerres de territoire, évidemment. Les espèces intelligentes étant ce qu'elles sont, comme nous les hommes, des guerres et des royaumes se sont construits. Et aujourd'hui, donc, les gens commencent à se dire, effectivement, attendez, mais quand Belirus nous a attaqués, on maîtrisait tous la magie à 100%, mais ça ne l'a pas empêché de nous massacrer. Peut-être qu'il est temps de réussir à avoir une nouvelle arme. Et cette nouvelle arme, c'est peut-être celle de nos ancêtres, la technologie. Peut-être que si on mêlait technologie et magie, enfin, on arriverait à être efficace en cas d'attaque. Mais la technologie, on ne sait plus la faire. Et donc, c'est là où toutes les nations, malgré leur guerre, malgré leurs différents contextes, se sont quand même mis d'accord sur une chose. Ok, on veut que nos royaumes soient les plus puissants, mais on n'aura plus de royaume si Belirus nous bat. Donc il est temps au moins de tous se mettre d'accord pour qu'une partie de nos ressources soit mise vers la guilde des archéologues, qui elle est chargée de découvrir ces technologies des temps anciens, et peut-être même de découvrir le Rake, puisque le Rake, on le sait, s'est fissuré en plusieurs parties, et celui qui réussirait à réunir le Rake obtiendrait les pouvoirs suprêmes. Et vu qu'il y a encore beaucoup de problèmes en Caltheon, celui qui récupère le Rake pourrait peut-être tout régler, ou alors tout empirer, en fonction de qui l'a en premier. Donc c'est un peu dans ce contexte que les joueurs vont pouvoir jouer dans Rake. Ah là là. Est-ce qu'il y a un thème principal dans ce jeu ou il y en a plusieurs ? Ouais, alors, dans l'ambiance générale, nous on dit que c'est du sombre fantasy avec du steampunk. Maintenant, je dirais que les deux thèmes qu'on met vraiment en avant avec notre univers, le premier c'est la découverte slash aventure. Donc vraiment l'idée que voyager d'une ville à l'autre, c'est pas anodin. C'est un truc qu'on a voulu beaucoup mettre en avant. Alors ça vient d'une frustration que j'ai eue dans plusieurs jeux où quand on était très haut niveau, petit à petit on commençait à dire bon voilà, bon, t'as fait une semaine de voyage, ellipse. Allez hop, de toute façon voilà, ellipse, où le mage peut te téléporter de 10 000 km, bon voilà, c'est pratique quand même, hein. et je jette pas du tout la pierre dessus, voilà, ça plaît à beaucoup de gens.
Moi, j'avoue que j'aimais beaucoup cette ambiance de niveau 1 où le voyage, c'était une épopée. Et j'avais envie que même à très haut niveau, ce soit toujours une épopée. Donc dans Rake, le voyage, c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. C'est très compliqué de voyager entre deux villes. Ce qui fait que l'économie aussi des pays, toute l'organisation est organisée en fonction de ça. Le voyage, c'est dur. Et c'est pas pour rien. Et même les aventuriers très expérimentés, quand ils voyagent, ils doivent faire très attention et bien préparer à l'avance leur voyage et quel chemin ils vont prendre. Donc voilà, on avait vraiment envie d'avoir ce thème-là, de la découverte, et puis même, du coup, avec toute cette découverte, c'est pour ça qu'on avait voulu un monde très détaillé, pour que bah, quand les aventuriers décident de prendre telle route au lieu de telle route, eh ben, il y a quelque chose à découvrir, peut-être même un bout du rail qu'on ne sait pas, mais en tout cas, il y a toujours quelque chose sur lequel on peut tomber. Et à côté, l'autre thème qu'on a voulu beaucoup mettre en avant, c'était le thème de la mort. Alors, justement, il y a beaucoup de jeux où bah, on massacre à tour de bras, voilà, et c'est des grands combats, et il y en a plein, voilà. Et où les voleurs, les 10 voleurs, et bah, je les ai exécutés, et puis j'avance, et j'aurais oublié leur vie demain. Mais dans Rake, la mort, c'est quelque chose de très particulier et très impactant. Quand on meurt dans Rake, on sait ce qu'il y a après la mort. On le sait, c'est à la base les âmes, avant que Baelirus prenne le pouvoir, elles étaient jugées je ne perds le nom, donc je ne dirai pas le nom car je viens de l'oublier. Les âmes bonnes allaient vers l'horizon divin et les âmes mauvaises allaient vers la fosse infernale. Mais Baelirus, lorsqu'il a obtenu le Rake, il a détruit les horizons d'ivoire. Et la déesse des horizons d'ivoire, Nexa, n'arrive toujours pas à le reconstruire pour l'instant, n'a pas la force. Donc toutes les âmes, bonnes comme mauvaises, vont chez Baelirus. Et là où le précédent gérant de la fosse infernale, le précédent roi, n'avait pas pour but de faire des démons destructeurs, Baelirus, lui, veut faire une armée. Donc toutes les âmes qu'il récupère, il les transforme en démons, les torture pendant des siècles pour les rajouter ensuite à son armée démoniaque. Donc lorsqu'on meurt... Pas très sympa. Ouais, c'est pas un homme très agréable. mais du coup, lorsqu'on meurt, on sait où on va. Qu'on ait été un homme pieux, qu'on ait été la pierre raclure de Calthéon, on se retrouvera dans la fosse de Baelirus et on se fera torturer pour devenir un démon. Donc aussi, lorsqu'on tue un bandit, on sait aussi que ce bandit il reviendra en tant que démon un jour face à Calthéon, encore plus puissant qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc ça joue un peu beaucoup. Il y a beaucoup la question de est-ce que mon personnage doit réellement être bon en sachant ce qui va l'attendre plus tard. Est-ce que justement la bonté de mon personnage est là et elle est belle parce que il sait ce qu'il attend plus tard, mais il fera quand même tout pour que lors de ses années de vie le monde aille bien. Et en même temps, à côté, il y a tous ces gens qui ont perdu espoir et se disent « je n'ai aucun intérêt à être bon puisque quels que soient mes choix, j'irai en enfer ». Donc voilà, on voulait vraiment avoir cette thématique et aussi du coup la thématique que tuer quelqu'un, ce n'est pas anodin. Il y a toujours évidemment la question d'habitude de qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et là, on a voulu traiter le « on sait ce qu'il y a après la mort » et ce n'est vraiment pas agréable. Donc ouais. Comment est-ce que l'humanité va se comporter avec cette info ? Il faut changer ça. Exactement. Et du coup, on va éviter de tuer trop de gens parce qu'ils vont revenir encore exactement, plus fort. Voilà. Donc la peine de mort, c'est pas forcément les meilleures solutions dans non, ce monde-là. Non. Vas-y, travaux forcés là. Pourquoi ces thèmes ? C'est des thèmes qui me tiennent à cœur. Alors comme j'ai dit, bon, du coup pour l'aventure, la découverte, là c'était ça venait surtout de la frustration du coup des hauts niveaux, voilà où j'aime beaucoup moi en tant qu'MJ aussi raconter ce qui se passe entre temps. Et la mort, c'était aussi pour essayer de changer un petit peu. Alors on n'est pas les seuls hein, à traiter un sujet comme ça. Je pense par exemple récemment. Hein, à Argyropé qui a lui aussi un traitement de la mort un peu différent. Alors lui, c'est l'opposé de nous. Lui, il est vraiment justement dans extrêmement le mystère de la mort, alors que nous, au contraire, le mystère est dévoilé. Donc c'est les deux opposés, mais c'est des traitements quand même différents d'habitude. Je pense que c'était important pour notre jeu aussi d'essayer de se démarquer des medieval fantasy classiques en montrant que la mort, contrairement à dans beaucoup d'autres jeux, c'est un sujet vivant et c'est un sujet très important qu'on peut pas prendre à la légère. Donc voilà, c'était un peu pour se démarquer avec ce thème-là. Ok, donc ça répond à ma question, comment ton jeu se distingue des autres jeux de rôle sur le marché. Voilà. après, à part ça, si t'avais cette question... oui. Pour se démarquer, forcément, on a choisi un de ces thèmes aussi parce que c'était important. Le gros souci pour nous, on en avait conscience, c'est qu'on fait quand même, même si on a du steampunk et du sombre, ça reste du medieval fantasy, la première chose qu'on voit. Et le medieval fantasy, c'est le style de jeu de rôle le plus commun qu'on voit le plus. Donc il a fallu qu'on trouve des solutions quoi, pour que les gens se disent pas, bon ok,
C'est D&D, encore on voit bien. voilà. Donc voilà. Pour essayer de se démarquer, bon, déjà, on a apporté le steampunk. Mais... C'est cool, ça. J'adore. Merci beaucoup. nous, notre parti pris aussi, c'est d'avoir fait un monde très, très, très développé, où on a vraiment voulu développer chaque royaume, chaque ville importante, chaque religion, chaque économie, toute l'histoire depuis la création de l'univers, tout est détaillé. Et ça, c'est là pour, et aussi quelques zones d'ombre justement, c'est là pour donner énormément de matière au maître du jeu. Parce que moi, je suis un maître du jeu typiquement, ou les autres auteurs aussi, où on aime créer nos propres histoires, pas forcément suivre des toutes écrites, même si on en proposera des écrites évidemment. Mais parfois, les MJ, bon, bah, ils n'ont pas un scénario écrit, ils doivent en inventer un ou ils veulent en inventer un. Et nous, on voulait qu'avec notre jeu, ce soit très facile, qu'il y ait du matériau partout. On se dit, bon, bah, OK, ils sont à tel endroit du monde. Il y a forcément, dans notre livre, quelque chose qui leur permettra d'avoir de la matière. Alors, ils pourront décider de se dire, bon, OK, Sailor, je sais qu'il y a tel problème dans telle ville, donc je vais faire un scénario dessus. Mais ils peuvent aussi se dire, OK, bah, Sailor, c'est un royaume commercial, et voici l'économie développée de Sailor et leurs problèmes de religion, leurs problèmes, etc. Je vais avoir de la matière pour créer mon propre scénario, mes propres problèmes autour de ça, en cohérence de lore. Donc ça a été un peu notre parti pris, voilà, d'énormément développer le lore. Et à côté, un truc qui était important en parlant du MJ, c'est que j'avais quand même le sentiment, au fil des années, que c'était de plus en plus dur de trouver des MJ. Parce que dans certains jeux ou autres, mais c'est une tâche qui est pas facile, maître du jeu, qui parfois stresse aussi. Moi, la première fois que j'ai été MJ, ouais, c'est beaucoup de boulot. Et la première fois que j'ai été MJ, je me souviens du stress que j'avais quand j'ai fait Pathfinder, où c'est 600 livres de règles, 600 pages de règles, et j'ai fait, je vais jamais y arriver, comment on va faire, etc. Il y en a trop, au secours, ouais, à l'aide. voilà. Alors, une fois qu'on est lancé, c'est bon, mais c'est vrai que ça fait peur. Un truc qu'on voulait faire, c'était de faire en sorte que nos règles, alors elles permettent une grande liberté, mais surtout elles soient très simples à comprendre. À chaque fois, ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est déjà que ce soit fluide, en essayant de réduire quand même le nombre de dés, qu'il n'y ait pas des jets de dés inutiles, et que ce soit très facile à comprendre. Nous, notre objectif à chaque fois, quand on fait des trucs en convention ou autre, on fait tester notre jeu souvent. Souvent, je fais des one-shots de une heure, en convention que j'enchaîne, et du coup il y a 50 minutes de jeu et 10 minutes d'explication de règles et univers, et donc il faut qu'en 10 minutes condensées les gens aient compris les bases de règles et les bases d'univers, et donc si on réussit ce pari à chaque fois, ça veut dire que les règles sont simples à comprendre. Pour l'instant on a réussi, donc tout va bien, mais voilà, c'était un peu les parties pris. Ok, alors sur le chat, il y en a qui disent faut pas dire des trucs comme ça, on essaye déjà de pousser Aki à devenir MJ, hein. Aki à l'MJ, ok, c'est cool. Et du coup, combien de pages pour Rake ? Demande Sloppy. Alors, bon, ça va, pour l'instant la mise en page n'est pas faite, parce qu'on attend l'artiste de mise en page, donc ça va quand même jouer le nombre de pages. Tout de même, on est entre 400 et 450 pages pour pouvoir faire le livre. C'est pas 600. Pas 600. Sachant que, du coup, nous, notre parti pris aussi, c'est qu'on achète notre livre et dedans, il y a tout. C'est-à-dire que quand on l'a acheté, on peut jouer. Donc, il y a l'univers, il y a les règles et il y a le bestiaire. Ce qui veut dire quand même que, bon, là, je dis entre 400 et 450, c'est soumis à un potentiel jusqu'à 500 en cas de mise en page, voilà, pour que ce soit bien clair. On a aussi conscience que, vu que l'univers est très développé, on ne pourra pas forcément tout mettre dans le livre. On va mettre tous les trucs très importants pour bien comprendre le lore, etc. dans le livre. Mais il y a beaucoup de petites histoires, en fait. Plein de petits trucs qu'on a mis partout. Où ça, on fera un livre de 2000 pages, sinon, donc pas très intéressant. On n'a pas non plus envie qu'il faille acheter un autre livre pour réussir à savoir ce que c'est. Donc ça, le parti pris, c'est aussi que sur notre site, qui est encore en construction, quand on sortira le livre, en même temps, sur le site, on va l'agrémenter, en fait, de plein de lore qui sera disponible gratuitement pour que les gens qui se posent des questions, qui veulent en savoir plus sur l'univers, ils puissent facilement le trouver. À l'avenir, peut-être qu'on fera un livre qui condense toutes les histoires, tout joli avec des trucs et tout, des illustrations. Mais quoi qu'il arrive, attention. Dans ce cas, quoi qu'il arrive, le lore, même qui serait dans ce livre-là, il sera disponible gratuitement sur Internet. Parce que vu que notre but, c'est que le MJ, il ait toujours quelque chose à se mettre sous la dent, si on commence à rendre payant les trucs de lore, c'est pas très intéressant pour lui. Ouais. Non, c'est un peu ruineux. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'univers, ou tu penses que t'en as déjà assez dit ?
Est-ce que je peux dire de plus sur l'univers? Un truc important dans quel théo, c'est que la Terre est plate. Alors ça fera plaisir aux platistes. Mais non. Du coup, on tombe quand on arrive au bout. Oui, exactement. Dans quel théon, c'est alors ça repose sur le tenwa, donc le tenwa, nous on l'appelle, c'est une forme de cône, hein, enfin c'est plat et puis ça fait un triangle en bas. Lorsqu'on part, bah, si on tombe au nord de quel théon, on tombe dans un autre plan qui est plat aussi, mais le plan du Nîmes, le plan de la magie. Au sud, on tombe dans le purgatoire, à l'est, on tombe dans les horizons d'ivoire, et à l'ouest, dans la fosse infernale. Donc, on peut chuter de quel théon et on se retrouver dans les autres plans. Pas oublier sa corde. Exactement. Et sur chute des autres plans, bon ben là on tombe dans l'espace et c'est pas forcément fou. Petit teaser pour de futurs peut-être livres sur Reik, mais il y a d'autres planètes habitées, puisque dans notre monde il y a par exemple les Etreals, c'est une des espèces jouables, qui viennent en fait d'une autre planète qui a été détruite par des mimiques. Puisqu'un truc important dans notre monde, c'est les mimiques en ce moment qui sont une grande menace, puisque depuis peu, il y a deux lunes dans Calthéon, normalement il n'y en a qu'une. Il y a une deuxième, c'est un mimique, la lune, c'est connu du monde, puisque en fait, les Etreals, cette espèce est arrivée sur notre Terre, sur Calthéon, récemment, en expliquant que leur Terre à eux avait été totalement détruite par les mimiques, et qu'un jour, une lune arriverait et enverrait petit à petit des mimiques qui avaient la possibilité de se transformer en tout ce qu'ils mangeaient. Donc s'ils mangent une maison, ils se transforment en maison. S'ils mangent un humain, ils se transforment en humain. Et donc il y a toujours cette menace permanente des mimiques avec des Etreals qui sont la preuve que la vie existe ailleurs, mais qu'elle n'est pas facile non plus, et que donc on peut préparer au pire. Ils ne me plaisent pas trop ces mimiques. Non, ils sont très sympas. Je ne suis pas sûre. On va passer à l'histoire du jeu du coup. Hein. Comment t'en es venu à la création de ce jeu, hein? Ouais, alors c'est une histoire étrange. J'adore. En fait, tout part d'un TPK, donc d'un échec de toute l'équipe, et où en tant que MJ, j'ai tué tout mon groupe. Chose que d'habitude, on évite de faire, ou même c'est une mauvaise expérience. Et là, finalement, ça a créé Reik. Alors pour l'histoire, c'est qu'à la base, on faisait nos séances depuis maintenant 3 ans ou 4 ans, toutes les semaines, de 23h à 6h du matin, toutes les nuits. On était étudiants, donc ça allait, on pouvait le faire. Oh, jeunesse décadente. C'était beau. C'est fini ce temps. J'étais si heureux. Et du coup, on jouait toute la nuit, toute la nuit. Du coup, à cette époque-là, il jouait sur une Pangée. En fait, c'est le passé de Calthéon. Je n'avais pas du tout créé Reik à l'époque. Hein. J'avais juste fait une Pangée très simplement avec un empire et puis voilà. Mais ils avaient fait toute une campagne depuis 2 ans où ils traquaient un humain qui s'appelait Baelirus. Et donc, petit à petit, ils découvraient le passé de Baelirus et ce que voulait faire Baelirus, les plans de Baelirus. Voilà. À la base, tout ça, c'était pas du tout dans l'optique de créer Reik. Hein. C'était vraiment parce que c'était l'antagoniste. Et j'avais vu qu'ils adoraient cet antagoniste et son histoire, donc on continuait dedans. Et vient le jour où ils vont dans un endroit en pourchassant un des lieutenants de l'armée de Baelirus. Et ils étaient les seuls à connaître les plans de Baelirus à cet instant T. Et les seuls à soit pouvoir les dévoiler, soit pouvoir l'arrêter à temps. Sauf qu'il était 5h du mat'. Ils n'ont pas fait attention à un truc et à un piège, à des trucs comme ça, petit à petit. En tout cas, les gens sont tombés un à un dans ce donjon. Moi, en tant qu'AMJ, je pense que j'étais fatigué aussi, donc je ne faisais pas trop attention. Et finalement, je tuais sans même faire gaffe à « attendant, peut-être qu'il faut un peu tricher sur les dés ou quelque chose parce que tout le monde va mourir ». Bon, là, on était vraiment en mode « on avance ». Et finalement, ça s'est soldé sur « je ne m'y attendais pas, mais tout le monde est mort ». Et on s'est tous regardés dans le blanc des yeux en se disant ça fait 3 ans qu'on joue quand même, toutes les semaines, tout le monde est mort là. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que logiquement, vous êtes mort, Baelirus va réussir. Parce que personne ne peut l'arrêter, puisque personne n'est au courant. Et donc on s'est posé la question de, est-ce qu'on revient en arrière? Est-ce qu'on triche et des personnages étaient en fait au courant? Ou est-ce qu'on assume? Et en se disant ça, on s'est dit, c'est peut-être rigolo d'assumer. Et se dire, donnez-moi une semaine de pause et dans 2 semaines, je reviens avec une histoire et on jouera plusieurs siècles après Baelirus et vous verrez ce qui s'est passé. Parce que votre groupe des Sentinelles de l'Horizon a échoué. On s'est retrouvé 2 semaines plus tard avec des nouveaux persos et du coup, c'est là où il y a eu les prémices de Reik, où j'avais créé les 5 continents, j'avais créé le Reik, j'avais créé le fait que Baelirus avait trop utilisé, les cités souterraines, la technologie, etc. Et donc, on se retrouvait 1500 ans après Baelirus. Et avec tout ce qui s'est passé, Baelirus était aujourd'hui encore un dieu craint.
Et donc on a joué là-dessus. On a joué des années encore sur ce Rake-là. J'ai fini par en faire un stream où on faisait nos aventures sur Twitch. Au bout d'un moment, est venu le moment où ça faisait longtemps qu'on jouait. Tout ça, c'était avec les règles de Pathfinder. Mais je me suis rendu compte, bah là, c'était niveau 17, 18 dans Pathfinder, où bon, bah, les règles de Pathfinder ne correspondaient pas à l'univers. Elles ne sont pas bonnes ou mauvaises, c'est pas ça que je dis. C'est vraiment... Ça ne marchait pas. Ouais, c'est pas adapté. Le magicien pouvait trop tout casser dans mon truc. Voilà, ça ne marchait pas. Ça a généré des frustrations en moi, des trucs comme ça. Et je me suis dit, non, maintenant, j'ai un univers qu'on a développé depuis des années. Bon, déjà, il faudrait un peu plus le développer parce qu'il n'était pas assez à l'époque, vu que ce n'était pas le but de faire, d'en faire un jeu. Mais en plus, j'ai vraiment envie de pouvoir jouer dans cet univers avec des règles qui correspondent. Et j'ai pas juste envie d'un petit home rule que je vais faire comme ça dans mon coin. J'ai envie vraiment de tout changer, changer les classes, changer les espèces, voilà, repartir de zéro avec cet univers et être sûr qu'on puisse y jouer. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure. J'ai contacté des potes, certains qui avaient testé Rake d'abord et d'autres qui n'avaient pas testé Rake, mais avec qui j'avais toujours joué au jeu de rôle. On s'est créé un groupe de 5 personnes. On s'est dit, allez, let's go, pour créer le truc. Et tout de suite, on s'est dit, en plus de le créer, on va le lancer sur le marché. Comme ça, tout le monde pourrait y jouer. C'est chouette. C'est une super histoire, en tout cas. Est-ce que les prémices de ta team là, on peut les lire quelque part, il y a quelque chose ou comment que ça se passe sur toutes les aventures qu'on a vécues? Ouais alors bah, les aventures des Sentinelles de l'Horizon, elles sont dans le lore en fait de Rake, parce que du coup j'ai décidé de les inclure, parce que en soi les Sentinelles de l'Horizon, ils sont ce qu'a créé. Voilà, c'est ce qui a tout créé. Il y a même une référence dans la géographie. Alors si jamais on va sur les royaumes du continent Est, un des royaumes du sud du continent Est, c'est un royaume qui a beaucoup de fouilles archéologiques en cours. Récemment, il y a eu des ruines qui ont fait découvrir à tout le monde l'histoire des Sentinelles de l'Horizon. Et donc le monde commence à découvrir tout ce qui s'est passé et les ont un peu érigés en héros. Donc il y a des statues des Sentinelles de l'Horizon quelque part dans le monde, dans ce royaume-là, au milieu du désert, mais où les gens viennent un peu se recueillir. Et oui, dans le lore de l'univers qu'on va décrire, évidemment, du coup, il y aura toutes les histoires des Sentinelles de l'Horizon, ce qu'ils ont vécu et comment ils ont échoué aussi face trop à bien. C'est chouette, j'adore ça. Combien de temps il a fallu pour écrire entièrement ce jeu, en fait? Alors, l'univers, il s'est développé pendant à peu près 6-7 ans. Ensuite, le moment où on s'est dit, on en fait un jeu. Et là vraiment on s'y est mis à fond tout le temps. Là ça fait 2 ans qu'on travaille, on entame la 3e année. On a créé l'entreprise il y a 1 an, mais on a commencé avant, c'est juste qu'on l'a créé quand il était temps de protéger en fait notre contenu. Mais ouais, maintenant là on entame la 3e année de création, et quand on va lancer l'impression on devrait être à entre 2 ans et 8 mois et 3 ans quoi, à peu près. Voilà, beau bébé. Exactement. Quelles ont été les inspirations? Alors, je pense que généralement, c'était beaucoup, à mon avis, des inspirations sans que je m'en rende compte. Sans qu'on s'en rende compte, d'ailleurs, parce que j'étais vraiment pas le seul sur cette écriture. Surtout pour l'univers. Moi, j'avais posé les bases, mais celle qui a vraiment beaucoup, beaucoup développé l'univers, c'était Estée, en tant qu'autrice. Et elle, ses inspirations à elle, je les connais un peu moins, sur comment elle a pu être touchée par différents livres, différents bouquins, des choses comme ça. Ensuite les bases pour les règles ou l'univers, bon alors Warhammer m'a beaucoup touché, je sais que les règles, Valentin et Emile qui sont beaucoup sur les règles avec moi, eux, Chroniques Oubliées, ça les avait beaucoup impactés, surtout Emile qui s'est beaucoup basé sur Chroniques Oubliées pour la simplicité des règles en fait, qu'il avait beaucoup aimé, donc je pense que ça nous a beaucoup touché. Et apparemment, donc je dois le dire quand même, parce qu'on fait beaucoup la remarque et je m'en suis rendu compte tardivement, je ne suis pas un joueur de World of Warcraft, mais on m'a beaucoup dit que Calthéon ressemblait un peu au continent de World of Warcraft. Et c'est moi qui avais fait la géographie sans jouer à WoW. Mais je pense que du coup, sans que je le sache, des images de WoW ont peut-être guidé ma main sans que je m'en rende compte. Les grands esprits se rencontrent tout simplement. Les grands esprits se rencontrent peut-être. C'est jamais. Hein. Du coup, vous étiez nombreux à travailler sur ce projet? Ouais, alors, on est 5 à temps plein. C'est pas notre travail, mais vraiment, on est les 5 à bosser dans l'entreprise des éditions. Donc, il y a Valentin qui est chargé des règles.
Moi, je suis le président tout puissant. Ça va, tu as Moi, une je suis petite dans ma chorale, chaise hein? et je leur dis de travailler. Ouais, je gère plus. J'aide un peu partout et je gère surtout aussi la finance, l'administratif, tous les trucs que les gens veulent pas faire, j'ai accepté. Valentin, il est surtout sur les règles. Émile, c'est celui qui est plus chargé de la gestion de projet et de la direction artistique, parce que du coup, on n'a pas d'illustrateur chez nous, on a des externes. Donc c'est lui qui va faire en sorte déjà qu'on tienne nos délais. Donc c'est lui qui fait des plannings, des choses comme ça, pour s'assurer que tout sorte en temps et en heure et qu'il nous crie dessus Truc quand on est en chiant. retard. Et il est très méchant, mais il est très efficace. Et il s'assure aussi bah, du coup que tout l'univers graphique soit toujours cohérent parce qu'on n'a pas que le même artiste partout, donc il faut faire en sorte que tout soit cohérent quand on lit le livre. Et on a Axel qui lui est vraiment chargé du bestiaire, donc c'est lui qui nous fait les fiches de monstres, qui a eu les idées de monstres qu'on a rajoutées dans Caltéon. Et enfin Estée qui elle est vraiment chargée du lore, donc elle est partie de mes bases et c'est elle qui a tout développé, les religions et tout à fond. Donc voilà. Et à côté de ça, donc ça c'est vraiment l'équipe de 5. À côté de ça, on a quand même des externes avec qui on a beaucoup travaillé. Donc notre illustrateur, c'est Maxime Ferlin, c'est lui qui a fait. On a aussi des petits illustrateurs à côté qui ont fait quelques illus pour nous aider, surtout. Mais Maxime, c'est celui qui a fait le gros travail sur tout le livre et qu'on a engagé plusieurs mois, voilà, qui est un illustrateur vraiment incroyable que je passe le bonjour si jamais. Mais vraiment Maxime Ferlin, n'hésitez pas à aller voir son travail, c'est assez exceptionnel. Pour la carte, on a bossé avec l'Arpenteur, qui a un Insta d'ailleurs, l'Arpenteur, qui lui est un cartographe professionnel qui vend des cartes de plein de jeux de rôle différents. Il bossait, je crois, sur le jeu de rôle à un moment. Je viens de perdre le nom. Je Ah, ne sais avec pas. Daenerys et les dragons. Game of Thrones? Merci. D'accord. Ouais, là. J'ai eu un trou. Qui avait fait une Ok. carte d'une partie de Game of Thrones, des choses comme ça. Et à côté aussi, bon, alors ça c'était un truc une fois, mais je voulais absolument flex. Avec Frédéric Serdal, qui lui est le doubleur de notre trailer, parce qu'on a fait un trailer pour permettre de montrer l'ambiance du jeu, avec une bande-son qui est faite par Karim et Morgane, deux personnes aussi qui travaillent dans la musique, qui nous ont fait une bande-son originale. Et du coup, le compteur, c'est Frédéric Serdal. Et alors lui, je le voulais absolument, je l'ai harcelé pour qu'il accepte, et il a accepté très gentiment, puisque c'est le doubleur de Deckard Cain dans Diablo. Et je Ah. suis un immense fan de Diablo 3, donc. Le trailer de Diablo 3, quand on a fait le trailer de Rake, je voulais le même doubleur et je voulais la même voix. Absolument. Donc voilà. C'est Donc ça chouette fait ça. beaucoup de gens qui ont gravité autour du jeu. Ok. Du coup, cette création et monter une entreprise, quelles ont été les principales difficultés rencontrées dans ce long chemin de création? Tout! Je pense que bon alors, le plus dur, finalement, ça n'a pas été ce que je pensais que ça allait être. C'est-à-dire qu'au début, Jamais. pour moi, pour moi ma plus grande crainte, c'était les premiers tests de jeu, les choses comme ça. Peut-être se rendre compte que rien ne va, faut tout recommencer, ou faire tester pour la première fois des gens. Genre, Et ça ça, marche avec mon finalement, groupe, mais pas avec ouais, les autres. exactement. Exactement. Ça, c'était ma plus grande crainte. Alors, évidemment, il y a eu des problèmes pendant des tests, et justement, ça restait à les tests, et il faut revenir sur les trucs en arrière, heureusement, parce que si on n'avait rien repéré, c'est qu'il y avait aussi un souci. Mais étonnamment, finalement, c'était assez fluide, et les gens étaient très sympas et vachement à même de venir tester le jeu pour nous aider, et qui nous donnaient des critiques super constructives. Donc, moi, j'avais très peur d'un mec méchant, quoi, à table, qui allait juste me couler. Et je crois qu'on a fait un peu plus de 80, 100 tests à peu près. Tous les gens qui ont testé, à chaque fois, c'est super constructif. Donc, finalement, beaucoup plus simple que je croyais. Par contre, le très compliqué, je pense, les deux gros trucs, c'est alors l'administratif déjà. L'administratif français, vu que là, on a une entreprise, une SAS. Je savais que c'était compliqué, mais pas autant. quand on a déménagé le siège social, j'ai cru que j'allais mourir enseveli sous des papiers. Donc ça, horrible. Et l'autre, je pense, la grosse difficulté, qui au début, Émile n'était pas là, donc celui qui est vraiment chargé de la production et des plannings. Au début, on était quatre, ce que j'avais pas proposé à Émile parce que je savais qu'il n'avait pas le temps, donc je pensais qu'il allait juste pas vouloir. Il est venu plus tard et en fait, quand il est arrivé, ça a été une bénédiction parce que quand on s'est lancé au début, je pense que le plus dur quand on crée un projet comme ça, c'est de se concentrer et de comprendre comment avancer et pas se perdre.
Quand on commence d'une feuille vierge à 4, les idées partent dans tous les sens, on veut bosser sur tout, puis en bossant sur quelque chose, on se rend compte qu'il y a un problème ici, puis un problème là, et finalement on n'avance pas, on tourne en rond, rien n'avance. Je pense que le plus dur, et qu'on a encore aujourd'hui, c'est toujours une difficulté, on y arrive grâce à Emile, mais c'est toujours, on doit se forcer, c'est vraiment d'être structuré, organisé, de se dire, on sait qu'il y a ce problème, on le réglera dans 2 mois, et c'est frustrant, mais il faut finir d'abord ce qu'on fait là. Voilà. Donc, je pense que c'était le plus gros défi. Donc, merci encore, Emile, de nous avoir sorti. Il faut une cape de super-héros. Ouais, vraiment. Est-ce qu'il y a des anecdotes intéressantes à partager sur la création du jeu ? Ou du croustillant, du drama. Du croustillant. Ah. je pense, alors, déjà un truc qui m'a juste fait rire, ça c'était pour tous les tests qu'on avait fait. Je crois que là, je me suis rendu compte à quel point la communauté de jeux de rôle voulait absolument qu'il y ait des nains dans les jeux de rôle. Alors, je sais pas si c'est ce délire. Moi, je suis très fan des nains, mais je savais pas que les gens adoraient autant. Donc, à chaque fois qu'on présentait le jeu, la première question qu'on a généralement en convention, c'est il y a des nains ? Oui, oui, bien, c'est bon, on peut continuer à discuter, ok. Okay. Après, ok, bon, c'était une info que j'avais pas, mais je suis très heureux de l'avoir. Il y a des gobes. Voilà, ça, c'est plus une anecdote que j'ai vécue quand je fais des tests, souvent à la taverne du Graouli à Metz, qui est un bar de jeux de société et qui nous laisse faire des tests là-bas. Pour mettre un peu d'immersion, quand je fais des tests, j'aime bien, j'ai un cosplay en fait, et du coup je viens en cosplay d'un personnage de Rake pour un peu mettre de l'ambiance. Donc je suis en armure de cuir, avec des trucs steampunk, une épée dans le dos, etc. J'adore. Et sauf que un jour, j'y avais pas pensé du tout, mais oui, le test il se finit vers minuit, minuit 30, et puis il faut rentrer, donc j'ai 40 minutes de marche. Et un jour, la nuit, je vois une voiture de police qui commence à me suivre pas. Et j'ai vite compris, donc je me suis fait contrôler et tout, hein, parce que les gars, ils ont tu vu, ils ont vu à 2h du matin un espèce de fou avec une cape et une épée dans le dos, une armure de cuir et des potions partout se balader dans la ville. Et ils ont dû se dire, qui est ce malade ? Voilà, ça a été les petites anecdotes qu'on a pu vivre. Ok. Et t'as déjà un petit peu répondu tout à l'heure comment le jeu a été reçu par les joueurs et les critiques jusqu'à présent. Alors, mieux que ce que je pensais, déjà, donc c'est une bonne chose. Pour l'instant, nous, en tout cas, on est très contents de comment le jeu est reçu. Quand on fait tester le jeu, en tout cas, surtout, c'est là où je suis content, c'est que les gens comprennent le jeu. C'était encore une fois, mon point absolument, c'était en une heure de playtest, il faut que les gens aient compris le jeu, aient compris l'univers, les règles. Et à chaque fois, c'est le cas, donc ça, voilà. Ensuite, on s'est aussi rendu compte de choses sur lesquelles on travaille encore. Je pense que les choses qu'on a ressenties, surtout sur le Ulule, quand on l'a dévoilé, c'est qu'on, nous, on a voulu être un peu pas trop technique, justement, préférer une page Ulule qui permet plus de montrer un univers, etc., et pas trop entrer dans les techniques pour pas trop faire peur. Et justement, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui, du coup, vu qu'on parlait de notre système de règles, qui n'est pas le système Donjons et Dragons 5e édition, qui commençaient à me dire, du coup, je comprends pas bien, vu que j'ai pas pu tester le jeu, je comprends pas bien c'est quoi votre système, etc. Donc là, nous, c'est un truc sur lequel on est en train de bosser, parce que on a vu que c'était une sorte de critique, quoi, en gros, de notre page Ulule. Donc c'est pour ça, en ce moment, on fait des vidéos, des choses comme ça, pour présenter les règles, pour que les gens comprennent un peu mieux ce qu'on veut dire avec notre système petit à petit. D'accord. Mais c'est une super transition parce qu'on arrive à la partie comment on joue. Voilà. T'as vu le ? J'avais tout prévu. Fantastique. Donc, du coup, maintenant qu'on connaît toute l'histoire du jeu, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça ? C'est quoi le système ? Alors, on part quand même d'un système classique. Notre plan, c'était de faire un système qui est connu de la majorité des joueurs, c'est-à-dire le système D20, et d'y ajouter nos trucs à nous, des modifications à des endroits, pour que ça soit cohérent avec notre gameplay et notre volonté de simplicité. Du coup, de base, on a un système D20 classique avec 6 caractéristiques, la force, la constitution, la dextérité, l'intelligence, la sagesse, le charisme. Donc, globalement, la force pour les attaques au corps à corps, enfin qui va donner des bonus quand on frappe au corps à corps. La constitution qui va permettre à la survie. Donc, quand on est dans Rake, quand on tombe à 0 point de vie, on est en état de mort. Et du coup, il faut que les gens viennent nous soigner. Et on survit autant de tours qu'on a de constitution, avec un minimum de 1. Mais donc, si j'ai 2 de constitution, on n'est pas... Oui, je vais reparler de ça après, mais voilà, si j'ai 2 de constitution, je survivrai 2 tours. On n'est pas sur des valeurs à la D&D où on a 18, par exemple. On a 18 de constitution, donc j'ai un bonus de plus 4.
Nous, c'est le bonus, en fait, c'est notre stat. Donc si j'ai 2 de constitution, j'ai un bonus de plus 2. Et le maximum de statistiques qu'on a, c'est 4 à la création d'un personnage. La dextérité, okay, elle est plus pour tirer à distance ou pour l'esquive. L'intelligence, c'est pour les sorts. La sagesse, pour les sorts divins. Et le charisme, pour le charisme. Avec quand même un tweak, c'est que, en fait, nos sorts, en fait, sont répartis. Alors, l'expliquer à l'oral, c'est peut-être un peu moins clair que le voir à l'écrit. Mais concrètement, les sorts, il y a 3 types de sorts. Les sorts occultes, les sorts arcaniques et les sorts divins. Et chaque type de sort est lié à 2 statistiques mentales. Donc, c'est-à-dire, par exemple, les sorts arcaniques, on peut soit choisir d'utiliser son bonus d'intelligence, soit de sagesse. Le sort occulte, soit d'intelligence, soit de charisme. Et les sorts divins, soit de sagesse, soit de charisme. Voilà, donc, c'était pour que toutes ces statistiques-là aient un intérêt sur 2 types de sorts. Donc ça, c'est pour le classique, voilà, des caractéristiques et du dévin. Ensuite, nous, ce qui change majoritairement, alors il y a le système de technologie, forcément. Le système de technologie, il est différent. En fait, dans Rake, notre plan, c'est que les armes magiques ou les armes classiques, elles soient beaucoup plus aléatoires que la technologie. La technologie, c'est un système qui a été avancé pendant des siècles et des siècles, et c'est très, très bien réglé. Et donc pour là où la magie, ça peut partir n'importe comment à des moments. Et donc pour vraiment différencier ça, là où quand je lance un sort classique, je vais lancer un des 20 et je peux faire un 1 et donc un échec critique, ou un 20 et donc un coup critique, la technologie, je vais pas lancer un des 20, je vais lancer 3 des 6 et je vais les additionner. Alors ça va faire des chiffres généralement plus proches de la moyenne, ce qui fait qu'on a plus de chances de toucher quand on est au même niveau qu'un adversaire. Par contre, en échange, bon, il n'y a plus d'échec critique, donc c'est le bon plan, mais il n'y a plus non plus de coup critique. Donc il n'y a aussi pas de possibilité d'une action d'éclat auquel on ne s'attendait pas face à l'adversaire. Donc c'est un choix stratégique à faire en fonction de si on préfère la magie ou la techno. Sachant que la techno en avançant devient de plus en plus stable, on a des niveaux d'armes qui vont de 1 à 4. Quand on passe niveau 2 de technologie, au lieu de lancer 3 des 6, on va en lancer 4 et on va retirer le moins bon. Ce qui fait qu'on améliore en gros la moyenne pondérée en fonction de notre niveau technologique. Donc voilà, la technologie plus stable, mais pas de coup d'éclat, là où la magie plus instable, mais va permettre à des moments des choses comme ça. Est-ce que les PJ, ouais, ont un niveau technologique? Ouais, alors, le système, c'est que déjà, tous les PJ peuvent crafter. Alors, je parle de ça parce que ça va se lier à ça. Encore du mot Encore du mot, non Encore du mot En fait, en fonction de sa classe, chaque classe est liée à une conception. Donc, par exemple, il y a le guerrier. Les gens qui choisissent guerrier, ils sont liés à la conception d'artisanat. L'artisanat, ça va être faire une épée en métal, faire une armure, des choses comme ça, faire des vêtements. Guerrier forgeron. Guerrier forgeron, classique. si on prend, par exemple, la classe du magicien, le magicien, lui, il va être en forge magie. Donc, lui, c'est celui qui va pouvoir faire des enchantements, créer des armes magiques, et donc il va devoir souvent s'associer à l'artisanat pour réussir à faire une arme magique. Lui, il n'a pas la capacité de battre le fer, il ne sait pas faire ça, par contre, il saura enchanter la lame du guerrier. Et quelqu'un d'autre, comme la classe d'archéologue, par exemple, lui, c'est le craft de technologie. Et donc la technologie, c'est du coup les armes antiques steampunk, et pareil, qui doivent être associées à l'artisanat, parce qu'ils doivent avoir des bases, des trucs en métal, des choses comme ça qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Eux, ils savent assembler et faire des composants technologiques, mais ils ne savent pas faire tout le travail de métal. Mm-hmm. Et donc tout le système, en fait, c'est que si on veut une arme technologique magique, les classes vont devoir s'associer, donc les gens à table vont devoir s'associer. Il y a celui qui va devoir travailler le fer, celui qui va devoir créer l'art technologique, et celui qui va devoir l'enchanter. Notre but, c'était déjà de base pour ça, c'était que tout le monde ait toujours un rôle à jouer dans ce genre de moment. Et du coup, ça se lie au niveau des PJ avec les armes. En fait, en fonction de certains niveaux, on commence à maîtriser ou non certains niveaux d'armes. Donc on commence en maîtrisant les armes de niveau 1, puis de niveau 2, puis de niveau 3, puis de niveau 4. Nous, on propose 2 systèmes. Le premier, où c'est vraiment à ce niveau-là, on peut commencer à maîtriser les meilleures armes, ce qui veut dire que c'est parce que alors c'est pour les MJ qui veulent vraiment être sûr que voilà, à certains niveaux on ait ces niveaux d'armes, et ça c'est justifié sur, par exemple, une arme technologique de niveau 2 est beaucoup plus complexe à utiliser que niveau 1, donc tu sais pas encore le faire. Ensuite il y a l'autre système qui, moi, est celui que je préfère utiliser, mais qui est plus que finalement, en fait, c'est surtout le prix des armes qui est en fonction, et la difficulté de trouver qui fait qu'en fait un aventurier de niveau 2 ou 3 n'aura pas l'argent pour acheter
ou trouver, n'ira pas dans des endroits assez dangereux aussi pour trouver des armes technologiques de niveau 3 ou des armes magiques de niveau 3. Voilà. Donc ces deux systèmes, en fonction de quel MJ aime faire comment, est-ce que vraiment il préfère faire un déblocage à un niveau ou est-ce qu'il préfère plus faire une gestion économique de ses joueurs. Mais voilà, donc effectivement, en fonction de son niveau, on va avoir des armes plus ou moins puissantes. Ce qui fait qu'en fait, ben, on peut aussi améliorer son arme. Si par exemple, ça nous tient à cœur que notre perso, par exemple dans Twitch, sur notre campagne actuelle, on a une paladine qui se bat au fléau et qui tient à son fléau, c'est important pour elle. C'est badass. Ouais, c'est badass. mais elle tient de ouf à son fléau, c'est important dans son histoire. Et du coup, le plan aussi, c'est que, ben, elle pourra l'améliorer. Donc quand elle sera capable dans ses crafts de faire des armes de niveau 2, du coup elle pourra améliorer en artisanat son fléau pour que ça passe en fléau niveau 2, ce qui fait que son fléau peut l'accompagner tout au long de sa carrière d'aventurier. Si un jour elle décide de changer d'arme, elle pourra aussi. Voilà. Et ça, tu le vois comment? Ça se passe pendant la partie ou entre deux parties, ce pour, genre pour de, d'action? Ouais. Alors ça, c'est, à mon sens, c'est vraiment à la gestion du MJ. Nous, on a voulu que ça puisse être fait aussi pendant la partie facilement. Dans le sens où on n'a pas de craft qui sont faits pour, par exemple, durer 6 mois de craft, des choses comme ça. On a voulu un truc un peu simple. Alors, je pense que les crafts les plus longs durent à peu près une semaine, si je ne dis pas de bêtises. Parce que... Et les tests sont simples à faire en termes de règles. La difficulté du craft, en fait, c'est surtout que c'est plus quelque chose qu'on fait petit à petit, dans le sens où... Alors, on peut acheter une arme toute faite, hein, si on n'a pas envie de faire du craft, et voilà. Mais pour ceux qui veulent crafter, donc aussi économiser de l'argent, économiser des pièces d'or, notre principe, c'est que tous les crafts, ils ont des recettes. Donc, des recettes, et pour les recettes, c'est des ingrédients. Par exemple, on peut me dire, bah, pour... Je dis au pif, là, comme ça, parce que j'ai pas les recettes devant les yeux, mais pour faire telle arme, pour faire un fracasseur gobelin, il va falloir qu'on ait trois cœurs de gobelins, il va falloir qu'on ait deux ailes, deux pinces de kaiju, j'ai des trucs au pif, mais voilà. Mais le plan, c'est que quand on vit nos aventures, déjà, chaque monstre qu'on tue, on peut essayer de récolter des ingrédients. Alors parfois on n'y arrivera pas, parfois on y arrivera en fonction du test, mais ça fait qu'en fait, chaque rencontre a un intérêt. Le sanglier que j'ai tué, il n'avait pas trois pièces d'or dans le cul, mais il a des ingrédients intéressants qui vont me servir plus tard pour un craft, un jour, pour une potion, okay. Pour quelque chose. D'où l'intérêt de ne pas ellipser les voyages. Exactement, voilà, ça okay. Revient avec la volonté de faire la découverte. Alors encore une fois, si les gens n'ont pas envie de gérer ça, bah, le système de craft, s'ils veulent acheter les armes, il y aura le prix des armes et de tous les trucs à chaque fois disponibles. Mais en tout cas, chaque chose qui peut être achetée peut être craftée, donc c'est au choix des joueurs. Ok, moi c'est totalement, on peut le retirer de la règle si on n'a pas envie de jouer avec ça. Oui, c'est ça, ceux qui n'aiment pas ça, c'est pas du tout un souci. Ok. Je t'ai coupé en parlant de la technologie. Tu es en train de parler du système. Je sais pas, les caracs, certainement, ils étaient en train de débattre des caracs sur le chat. Sur le truc des 4D6, etc. Ouais. Ouais, avec les niveaux, oui, c'est ça. Bon, donc du coup, il y avait ça. Pour la technologie en général. On a un système d'épreuves. Alors ça, les épreuves, c'est pareil. Là, on est resté sur du classique, comme alors sûrement Donjons et Dragons 5e édition que j'ai pas joué, mais Pathfinder là. Donc je suppose que D&D 5 là aussi, c'est les tests de compétences, je crois qu'ils appellent ça. Mais par exemple, faire une épreuve de sociabilité pour essayer de négocier le prix d'une arme ou des choses comme ça, faire une épreuve d'athlétisme pour réussir à passer d'un pont à l'autre, bon, voilà, des choses comme ça. Nous, notre truc qu'on a fait aussi à côté, c'est que un problème que je trouvais en tout cas dans des jeux, c'est par exemple, moi j'adore jouer Berserk, c'est comme ça, j'aime les barbares, et un problème que j'avais dans beaucoup de jeux, c'est que les barbares, bah, dans les jeux, ils sont vus comme des gens qui n'ont pas beaucoup de compétences. C'est des gens très forts au combat, mais en RP, bah, ils attendent un peu. Alors, socialement, c'est pas trop ça. Voilà, c'est ça. Bon, et même en général, ils savent pas faire grand chose. Bon, voilà, en combat, c'est très fort, mais ailleurs, on s'ennuie un peu. Alors, moi, j'essaie toujours avec le RP de le jouer, mais il y a plein de moments où je me dis, ah, je veux le jouer, mais mon perso, il sait rien faire finalement. Donc, il fait devant le combat. Nous, dans Raik, le système, c'est que chaque classe est formée au même nombre d'épreuves. Il y a plusieurs épreuves, et c'est réparti en fonction des classes. Par exemple, si je joue le magicien, je serai formé à... C'est 5 épreuves, si je ne dis pas de bêtises. Je suis formé à 5 épreuves sur les 18.
Du coup, par exemple, je suis très fort en connaissance de monstres, donc, ou en connaissance d'objets. S'il y a un monstre qui va avoir des points faibles ou des points forts, je vais en parler après, du coup, je saurais bien identifier le monstre et bien savoir comment se battre, etc. À côté, en échange, le berserker, ou le barbare, lui, il est formé au même nombre d'épreuves que le magicien, mais pas les mêmes. Du coup, le barbare, il sera très fort, par exemple, pour la survie. Donc, quand il faut, vu que les voyages sont très difficiles dans Rek, quand il faut cacher le camp, faire en sorte de réussir à trouver des ingrédients pour même manger, faire la chasse sans attirer un monstre, faire en sorte de faire un bon camp qui ne sera pas attaqué facilement, etc., pour la survie, là, le barbare, il va être très fort pour ça. Enfin, là, c'est la classe guerrier, mais il va être très fort pour ça. Donc, notre but aussi dans les épreuves, c'était que tout le monde a un intérêt. Quelle que soit sa classe et quelles que soient les autres classes autour de soi, on a un intérêt à table pendant les séquences hors combat. Oui. Parce que Rek, ce n'est pas que du combat. C'est, pour moi, le jeu de rôle, il y a beaucoup de RP avant le combat. Ça se caractérise aussi par on est formé ou non dans une épreuve. Si on est formé dans une épreuve, on va lancer un des 20 et on va ajouter sa caractéristique associée à l'épreuve. Et si jamais on n'est pas formé dans une épreuve, là, on va lancer un des 12 et ajouter toujours la caractéristique associée. Donc, ça réduit grandement les chances. Alors, évidemment, les DD dans Rey qui sont adaptés en fonction, hein, parce que le but, c'est pas d'avoir toujours des degrés de difficulté à 18 partout pour que le mec qui a un des 12, il joue jamais. Donc, c'est adapté en fonction. Celui qui n'est pas formé dans une épreuve peut toujours réussir, mais avec difficulté, là où celui formé aura beaucoup plus de facilité. C'est aussi fait pour que quand on fait un test de perception, par exemple, avec les 5 joueurs à table, un test de perception ne soit pas automatiquement réussi parce que les 5 joueurs ont lancé un des 20 plus leurs caractéristiques. Donc, statistiquement et mathématiquement parlant, c'est quasiment forcé que l'un d'eux a réussi. Bon, nous, si tous les joueurs tentaient un test de perception, ben, y en a qui sont formés ou non à la perception, donc des gens qui sont habitués justement à réussir à repérer des adversaires dans la forêt ou autre, et d'autres qui ne sont pas du tout habitués à ce genre de choses en fonction de ces classes. Et donc, ça rajoute un intérêt à se dire, OK, on a des gens qui sont plus forts que d'autres pour réussir, alors il va peut-être falloir, quand on se déplace, qu'on les place à des endroits stratégiques pour qu'ils aient peut-être des bonus à leurs épreuves pour assurer la réussite, parce que d'autres auront moins de chances de réussite parce qu'ils ont un des 12. Voilà. C'est le système d'épreuves. Et évidemment, c'est là où j'entre sur le système de points de compétences, on va pouvoir se former à de nouvelles épreuves. Si jamais, par exemple, je me dis, moi, le lore de mon magicien, c'est qu'il est super fort en survie, mais la classe de magicien de base n'offre pas l'épreuve de survie formée, c'est chiant pour mon RP, il y a un moyen dès le niveau 1 de faire en sorte que finalement je le sois. Et d'accord. Ça vient avec les compétences. Donc le principe dans Rek, c'est, pour faire un peu le cheminement d'une création de perso sans aller trop dans le détail, c'est que quand on crée un perso, on choisit son espèce. Chaque espèce, donc on a 14 espèces si je ne dis pas de bêtises, chaque espèce a 3 origines. Par exemple, Kalran, c'est un homme souris, il a 3 origines. L'une d'elles, par exemple, c'est le Kalran des villes. Et le Kalran des villes, donc chaque espèce, chaque sous-espèce, en tout cas chaque origine d'espèce, quoi, offre un actif et un passif qui va nous suivre tout au long de notre carrière. Donc ça, on l'écrit, voilà, je suis Kalran des villes, donc j'ai un bonus passif, là je ne les ai pas en tête, hein, mais j'ai un bonus passif de plus 3 en roublardise et j'ai un bonus actif qui me permet d'augmenter mon esquive sur certaines attaques. Bon. Ensuite, je choisis une classe. Pareil, chaque classe a 3 voix. Donc, on a 12 classes et chaque classe a 3 voix. Et donc, ces voix, c'est elles qui vont offrir des pouvoirs. Donc, les pouvoirs qu'on aura chaque niveau impair. 1, 3, 5, 7, etc. Par exemple, si je choisis guerrier, j'aurai le choix entre le maître d'armes, qui est celui spécialiste de pouvoir changer d'arme en combat et pouvoir tout le temps taper avec des armes différentes pour réussir à trouver la faiblesse d'un ennemi. Le berserker alchimique, qui est une sorte un peu de Bane dans Batman, qui s'injecte plein de produits partout dopants dans le corps pour être plus fort. Le rempart, dont le nom va changer, parce qu'on s'est rendu compte que c'était lié à un objet qu'on avait déjà, qui va changer. Ah. Mais pour l'instant, il s'appelle le rempart. Donc le rempart, qui lui est un spécialiste, quelqu'un qui se bat avec 2 boucliers. Donc voilà. Donc ils auront des pouvoirs différents et des façons de jouer totalement différentes. Donc 2 guerriers à table ne sont pas forcément pareils. Parce qu'ils peuvent avoir une voix différente. Enfin, en plus de ces pouvoirs-là, chaque niveau, là, on a des arbres de compétences. Donc là, on a 6 arbres de compétences. J'aime bien dire que c'est des arbres à la Skyrim. Quand je joue à Skyrim, voilà, on voit directement ce que c'est. Mais WoW, c'est pas pareil. WoW, c'est lié à la classe, pas là. Là, c'est vraiment à la Skyrim, dans le sens où...
Le berserker, par exemple, il peut décider d'aller investir ses points de compétence dans l'arbre arcanique. Et donc, le berserker, il peut décider, s'il investit ses compétences dans l'arbre arcanique et dans la branche, je sais pas, pyromancie de l'arbre arcanique, petit à petit, de lancer des sorts de feu. Alors que, et le magicien, il peut décider bon, bah, d'investir un peu dans l'arbre arcanique, puis d'aller un peu dans l'arbre divin pour lancer des sorts divins, et puis d'aller dans l'arbre martial pour mieux frapper avec son épée. Voilà. Donc, tous les combos sont possibles avec toutes les classes. Évidemment, ensuite, c'est lié, pour que ça soit différencié aussi un petit peu, le magicien, il a des pouvoirs de classe qui sont plus adaptés si jamais il décidait d'investir plutôt ses points de compétence dans l'arbre arcanique. Mais libre à lui de pas tout investir dans l'arbre arcanique ou même pas du tout. Voilà. C'est un magicien full arbre arcanique sera probablement meilleur qu'un berserk full arbre arcanique parce que le magicien a des combos avec ses pouvoirs de classe faits pour. Mais le berserker sera toujours très viable s'il décide de faire un mec qui se dope au produit dopant pour frapper fort au corps à corps, mais qui à côté est toujours capable de se téléporter, de lancer des sorts de feu, de faire appel à son dieu, etc. Donc ça, c'est le système de compétences. Okay. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur le système. Et la dernière chose, ça c'est pour les monstres. Les monstres, alors là, je pense qu'on est très proche avec la toxicité aussi d'un système un peu à la Witcher, je pense. Parce que il y a deux choses. Oh, le chat, c'est pour les vues, ça. la toxicité et les monstres, alors j'y vais un peu de pair, mais surtout déjà les monstres. Les monstres, ils ont chacun une fiche, évidemment, avec des statistiques, etc. Et en fait, chaque monstre a. Exactement pareil. Mais du coup, les monstres, ils ont aussi des points faibles et des points forts, parce que les monstres, c'est des créatures différentes de nous. Et du coup, ils ont des points faibles. Alors, si jamais on trouve son point faible grâce à un bon test de connaissance monstre ou en se préparant à l'avance, en cherchant dans des bibliothèques, des choses comme ça, en traquant le monstre à l'avance, etc., on va pouvoir se rendre compte, par exemple, ok, les gobelins, c'est des créatures qui arrivent à voir dans le noir, mais leur point faible, je le dévoile, oh non, leur point faible, c'est les lumières vives. Et si jamais on leur met la lumière vive, pendant un tour, ils vont perdre un point d'action et du coup ils vont essayer absolument de s'écarter de cette lumière, des choses comme ça. Donc, faites péter les boules de feu, quoi. Exactement. J'ai utilisé cette connaissance à mon avantage. Par contre, à côté, les gobelins, ils sont résistants aux empoisonnements. Donc, si jamais j'essayais d'appliquer des empoisonnements aux gobelins, je vais avoir beaucoup plus de mal. Il y aura des malus adaptés pour ça. Et tous les monstres, c'est comme ça. Ce qui fait qu'un monstre de son niveau, c'est fait pour que si on ne s'est pas du tout préparé et qu'on s'amuse à tout le temps frapper sur sa résistance comme un bourrin, ça va être compliqué. Là où même un monstre un peu plus fort, si on s'est bien adapté, si on a bien préparé son combat à l'avance, et qu'on a bien trouvé son point faible et une manière de se battre, parce que chaque monstre a aussi dans sa fiche la manière dont il aime se battre. Donc si on a bien réussi à comprendre si c'est un monstre qui va foncer comme un bourrin sur la première chose qu'il voit ou au contraire un monstre qui va tendre des embuscades, etc., on va pouvoir adapter sa stratégie de combat en fonction pour vaincre parfois des monstres plus puissants que nous. Voilà. C'est déjà... Faut réfléchir. Non, faut réfléchir. Il y a beaucoup plus de choses, mais je pense que ça, c'est vraiment le... Ouais, ça donne bien une idée déjà. Et quelle est ta vision du MJ dans ce jeu? Quel est son rôle? Pour moi, de base, c'est pour tout l'MJ, mais c'est bon, évidemment, de compter une histoire. Mais à mon sens, c'est surtout de faire en sorte que tout le monde s'amuse, lui inclus. C'est un truc qui est souvent oublié par les MJ. Ils doivent aussi s'amuser, eux. Et souvent, il y a beaucoup de MJ qui sont un peu... qui n'en peuvent plus de faire des séances parce que... c'est très bien de faire en sorte que tout le monde s'amuse à table, mais il faut aussi penser à soi. Je pense que pour moi, un MJ qui... Ça me ferait plaisir, en tout cas, qu'un MJ qui joue à Rake, ce soit un MJ qui s'amuse en tant qu'MJ dans Rake parce qu'il a toujours quelque chose à faire, parce qu'il peut toujours trouver un monstre marrant, une histoire un peu sympa à rendre à ses joueurs. Pour moi, c'est ça, à mon sens, l'essence du MJ. C'est quelqu'un qui va essayer vraiment de raconter une histoire pour que tout le monde s'amuse à table. Et qui surtout ne va pas s'oublier lui-même. Ok, il y a des choses mises en place pour ça ou... Alors, nous, du coup, on est parti sur trois choses. Bon, alors, comme je disais avant, l'univers vraiment développé pour lui donner toujours du matériel, pour que justement, il soit jamais en mode « Oh, je sais pas quoi faire demain, la séance est demain, j'ai rien préparé », comme à chaque fois, évidemment. Je sais pas quoi faire, j'ai aucune idée, ça me saoule d'y aller parce que je vais devoir improviser, mais je sais pas sur quoi. Au moins, là, il y a toujours quelque chose à trouver. À côté,
Du coup, c'était notre système vraiment de règles simplifiées à comprendre et tout, pour faire en sorte que le MJ ait pas peur, et qu'il se mette pas dans une spirale de stress avec les joueurs qui commencent à pas être d'accord avec son interprétation des règles, etc. Parce que le manuel de 1883, page 36, il disait pas exactement ça dans cette formulation. Voilà. Du coup, qu'on part pas dans des trucs comme ça. Cette phrase posée à débat. Et ensuite, nous, on a aussi forcément prévu une section de MJ dans notre livre pour aider aussi, pour si jamais le MJ est un peu perdu, si il sait pas trop comment gérer un problème avec un joueur à table, si jamais il a du mal même à organiser des séances, des choses comme ça. Nous, alors forcément, je pense qu'il y a des sites qui le font mieux que nous, mais au moins, ce sera une première approche pour les aider. À se donner confiance en eux aussi au moment des MJ pour se rendre compte que l'univers de Rake, il est là aussi pour les aider à essayer, à les inciter. Et donc, il y a des sections pour les joueurs et des sections pour les MJ qui sont faites pour que les joueurs sont amenés à vraiment être sympathiques envers le MJ et compréhensifs, parce que le MJ, il peut faire des erreurs, c'est pas grave, c'est un jeu. C'est un être Et humain. voilà, c'est un être humain et c'est un jeu, donc tranquille. Et aussi pour que les sections joueurs, on essaie aussi de mettre en avant, et parce que ça aide le MJ, de mettre en avant le fait que quand on fait un personnage, le but c'est aussi que les autres s'amusent. C'est dommage de faire un personnage qui est vraiment là pour prendre le pouvoir et faire que ce soit que moi et que ce soit que mon histoire, et puis les autres, de toute façon, mon but c'est de vous tuer, et puis voilà, et je m'en moque, voilà, j'ai pas envie de jouer avec vous, mon perso, et puis voilà. Nous, on essaie un peu d'inciter, gentiment, mais voilà, dans la façon dont on explique un peu le jeu, de montrer, voilà, c'est un jeu de groupe, tout le monde est là pour se marrer, il n'y a pas de combat d'ego entre perso et tout, peut-être dans le RP, mais entre joueurs, amusez-vous, voilà. Et du coup, écouter le MJ qui peut peut-être faire des erreurs et c'est pas grave, discuter ensemble. Et à côté, le MJ, vraiment lui dire voilà, des conseils d'organisation et des conseils de si la séance s'est mal passée, voilà, pas grave, discutez-en, des petits conseils en disant que ça arrive à tout le monde, que le but vraiment dans un jeu de rôle, c'est de s'amuser. Donc s'il y a eu un souci, il n'y en aura peut-être pas la prochaine fois, il faut en discuter à sa table pour que ça s'arrange. C'est pas grave du tout. La communication, c'est important. Exactement. C'est la base de tout. Tu nous as parlé un peu des personnages tout à l'heure, donc il y a une grande variété de personnages jouables dans le jeu, On avec essaie. beaucoup de possibilités de mixage entre les espèces et les classes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ça fait combien de possibilités? Alors, je peux pas les compter. Je peux pas les compter, mais j'ai pas non plus envie de faire le développeur de jeux vidéo qui fait oh, il y a plus de 3 millions de possibilités. Non, alors je pourrais pas les compter parce que finalement le fait que on choisisse n'importe quelle des 13 espèces, 14 espèces pardon, qui ont soi-même trois sous-espèces qui changent déjà drastiquement parce que l'actif et le passif vont avoir un gros impact tant de RP que de build. Donc ça change déjà drastiquement ça. Donc déjà 14 fois 3 fois Beaucoup 42, trop. à partir de là. C'est un chiffre ensuite, magique, 42. voilà, exactement, C'est la c'était fait réponse à tout. exprès, on avait prévu. Ensuite, combiné à ça, on a chaque classe, donc il y a 12 classes et chaque classe a 3 voix et les voix sont très différentes. Vraiment, on ne joue pas du tout pareil à un berserker alchimique et à un maître d'armes qui sont pourtant deux voix de la classe de guerrier. C'est vraiment pas du tout pareil. Là-dessus, ça fait déjà 36 possibilités différentes ici aussi au niveau des voix, plus les 42 d'avant, donc faut multiplier après. Sans moi. Et ensuite, il y a les compétences. Donc 6 arbres de compétences. On va avoir 20 points de compétences, puisqu'il y a 20 niveaux, donc un point de compétence par niveau, où on peut aller où on veut. Donc on peut aller dans l'exploration pour avoir des bonus pendant qu'on se balade par exemple dans les ruines antiques, ou vers la magie, ou vers l'occulte pour faire des rituels, ou vers le martial, vers la discrétion. Donc vu que toute classe peut aller n'importe où, certaines avec des bonus dans certains arbres, hein, toujours pour qu'il y ait quand même des spécialisations, mais toutes les classes peuvent décider d'aller un peu n'importe où et toujours être viables, c'est toujours notre but, c'est pour ça qu'on fait beaucoup beaucoup de tests, parce qu'on veut toujours s'assurer qu'il n'y ait déjà pas en fait surtout la classe plus espèce plus combinaison exacte qui fait qu'elle est juste beaucoup plus forte que tout le monde et c'est pas drôle. Donc voilà. Donc le but c'est que tout le monde soit un peu viable, quels que soient ses choix, qu'on se retrouve pas au niveau 15 à faire j'ai investi 15 points de compétences et en fait je m'emmerde parce que mon perso a jamais été fort. C'est un peu dommage. Sais pas Donc quoi voilà. faire.
Ben voilà, je sais pas quoi faire, tout est nul. Donc non, nous, le but, c'était que ce soit toujours un peu viable partout. Bon, ça fait du coup beaucoup, beaucoup de possibilités. Je vais avoir du mal à les compter, mais... Du coup, création de perso ou pré-tiré, il y aura des pré-tirés de prévus Alors, évidemment, on a un gros système de création de perso et c'est le gros truc. Maintenant, alors nous, je pense qu'on peut appeler ça des pré-tirés, mais en gros, on va avoir surtout, vu que le système de création de perso est un peu long, c'est un parti pris, voilà, ça prend du temps de créer son perso parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, des choses comme ça. On n'a pas envie que les joueurs ils soient perdus en arrivant et ils se disent « Oh, il y a beaucoup à lire les persos, c'est trop long à faire. » Et donc, on a envie justement que si jamais quelqu'un se dise « Il y a beaucoup à lire, je suis un peu perdu », il ait des possibilités. Donc nous, on va avoir plusieurs styles de personnages qu'on va faire étape par étape avec le joueur qui lit. Si jamais il veut, par exemple, en disant, là je prends un exemple parce qu'on n'a pas décidé exactement des prêts-tirés à faire, mais très probablement même, c'est une certitude quasi, il va y avoir un Kalran ensemblier. Donc les ensembliers, c'est une voie de la classe de virtuose et c'est ceux qui sont capables de dessiner tellement bien que leurs dessins prennent vie. Et donc ils vont pouvoir créer des monstres en dessin qui vont l'attaquer, ils vont pouvoir créer des structures comme des ponts, des choses comme ça, avec leurs dessins pour pouvoir avancer et aider leurs équipiers. Et du coup, on va poser un moment dans le livre. Voilà. Si par exemple vous vouliez faire un Kalran ensemblier, voilà les étapes à faire étape par étape. Donc sélectionner le Kalran, sélectionner telle espèce, potentiellement telle sous-espèce, cette classe, cette voie. Et pour les points de compétence du niveau 1 à 20, voilà ce que nous on vous propose comme sélection de compétences au fil des niveaux. Et donc le joueur peut commencer comme ça et puis finalement petit à petit au niveau 4 ou 5 se dire ok bon ben maintenant j'ai pas envie de ce que eux proposent mais maintenant j'ai compris beaucoup mieux toutes les possibilités donc je vais commencer à dévier de ce que eux font. Voilà, c'est un peu libre au joueur, est-ce qu'il a envie d'essayer notre build et petit à petit en dévier, voire le suivre jusqu'au bout, voire même ne pas du tout l'utiliser. C'est plusieurs pré-tirés comme ça qu'on va proposer. Ok, est-ce que le jeu est jouable en one shot ou plus en campagne? Alors en one shot, je conseille généralement les pré-tirés quand même, c'est-à-dire que le MJ prépare quelques pré-tirés, comme ce qu'on va faire nous mardi, où je prépare des pré-tirés, c'est-à-dire que je vous ai demandé typiquement quelle classe et quelle espèce vous voulez jouer, puis je vous ai fait le pré-tiré. Bon, je conseille plus ça pour un one shot. Ensuite, c'est totalement jouable en one shot, mais c'est vrai que j'ai le sentiment, en tout cas, que l'essence de Rake et l'ambiance de l'univers ressort plus. Alors une campagne parfois on se dit c'est un an de jeu, peut-être pas, mais sur un scénar, voilà, sur un scénar qui va prendre 2-3 séances déjà, là par exemple j'ai fini un scénar du coup avec mon groupe Twitch, ça a duré 3 séances, j'ai déjà senti, voilà, on avait pu avoir toute l'ambiance du jeu, on comprend beaucoup mieux, même les joueurs et tout sont bien plongés dedans, c'est totalement jouable en one shot, mais je dois admettre quand même que c'est peut-être pas le meilleur jeu pour un one shot en termes d'ambiance, parce que c'est une ambiance qui est faite pour être un peu à la longue, parce qu'on a beaucoup de mécaniques d'épuisement des joueurs, etc., qui doivent vraiment gérer leur vie qui se régénère peu au fil des jours, et leur magie aussi qui se régénère très peu au fil des jours. Donc il y a beaucoup de gestion comme ça du personnage qui fait que, bon, en one shot, on va un peu moins le sentir. Ok. Est-ce qu'on peut parler de monde ouvert ? Oui, totalement. Totalement. C'est pour ça qu'on a une carte aussi détaillée. C'était vraiment... faire un monde ouvert, mais pas un monde ouvert, c'est ce que j'ai toujours dit dans nos équipes, un monde ouvert, mais pas Assassin's Creed Valhalla où on s'ennuie dès qu'on a marché 2 heures. Donc le but, c'est qu'il y ait toujours quelque chose à faire. Okay. au tout début, il y a une question, ça demandait s'il y avait, des secrets dans l'univers. Alors déjà, bon, y a beaucoup de secrets. Bon, le plus évident, évidemment, c'est où sont les bouts du Rake. Ensuite il y a plusieurs mystères ces différents mystères du coup, bon, alors on va en développer les plus grands, en tout cas seront développés dans le livre, surtout pour les MJ, pour s'ils veulent les utiliser pour les joueurs. Il y a aussi des mystères du coup plus petits, parce que plus anecdotiques, au sens où c'est pas le grand truc qu'il faut absolument connaître comme mystère, on sait pas trop qu'il y a ce mystère social dans ce royaume, etc. Ça, ce sera plus pour l'instant sur les sites, si on n'a pas la place dans le livre, pour les gens qui veulent aller un peu plus loin. Et ensuite, on va aussi laisser des mystères volontairement dans le livre comme sur le site, des choses qui n'ont pas encore d'explication. Alors, peut-être qu'à l'avenir, on donnera des explications, mais pour l'instant, le but, c'est surtout ces petits mystères-là, c'est plus pour ouvrir des portes au MJ.
Parce que toujours notre but, là où on essaie de faire attention, c'est très bien d'avoir un univers développé, on trouve, c'est cool, mais si on laisse pas la porte à l'imagination, c'est pas très intéressant non plus. Si tout est pré-mâché, bon, le MJ il peut pas trop développer sa créativité dans le monde. Donc nous, notre but toujours, c'est qu'il y a des trucs que seul le MJ sait et que les joueurs pourraient essayer de découvrir, et à côté, il y a aussi des choses qui sont ouvertes, qu'on n'a pas totalement terminées exprès pour dire à vous un peu de décider ce que vous voulez en faire, si vous voulez l'utiliser. Être MJ sans roulette. Exactement. Ok. Est-ce que tu as découvert des choses étonnantes en créant le jeu ou en le playtestant? Des choses étonnantes. Des choses qui t'ont surprise sur la façon dont ça a été joué ou interprété. Ouais. Non, mais alors moi, c'était surtout le... Il y a un moustique qui t'agresse. Oui. Il va me piquer, je le sais. Ah ouais, c'est sûr. Puis mon chat, il bouge pas, là. Même pas il le chasse. Fort, non. Regardez-le, là. Non, mais il je rêve. Scandaleux. Bref. Quelle honte. Non, bah, moi, surtout, c'est un truc... Alors, ça paraît très évident, mais pour moi, ça l'était pas du tout, parce que j'ai quasiment que joué avec les mêmes personnes pendant des années et des années et des années. Et du coup, bah, c'est moi le MJ de toutes les séances test pour l'instant, depuis un an où on fait des conventions. Donc j'en enchaîne plein. Et en fait, je pensais beaucoup que les scénars, quand je les écrivais, je m'étais tellement habitué à la façon dont mes joueurs allaient les résoudre que je ne me rendais pas compte que les gens fourmillaient d'imagination quand ils étaient joueurs. Et j'ai découvert un monde qui... Et c'est pour ça que j'adore depuis un an écrire des scénars, parce que je découvre que bah, quand je joue avec des gens... faire deux fois le même scénar, ça n'aura pas du tout la même résolution à la fin. Et j'ai eu plein de trucs, mais j'ai des joueurs qui se sont dit pour abattre ce monstre qui est dangereux, qui est en train de massacrer mon ami au sol, moi je vais courir sur le côté avec ma hache et abattre un arbre pour lui faire tomber dessus. J'ai dit, mais quelles sont les connexions neuronales qui se sont faites pour penser à ça? Mais c'est génial, j'adore. Donc ouais, je pense que mon truc le plus incroyable, ça paraît, je pense, évident pour beaucoup de gens qui font plein de tables, mais pour moi ça a été pas du tout. C'était à quel point, en fait, il n'y a pas que la créativité du MJ qui rentre en jeu. Il y a vraiment comme tous les joueurs, de façon individuelle, puis en groupe, vont créer quelque chose de différent à chaque fois. Et c'est assez fou. Ah là là. Il y a Tomoun qui demande, il a peut-être loupé, mais d'où vient le nom REIC? Alors, REIC, c'est simplement l'acronyme des bouts du REIC. En fait, c'est... je vais réussir à parler, oui. REIC, il est en 5 parties. Alors, je sais, il y a 4 lettres, mais... Attendez. Mystère en fait, CPC. Non. J'avais pas prévu le coup. En fait, pour expliquer un peu, alors, les noms sont très compliqués, et vu que je les ai pas écrits à côté, je n'arriverai pas à vous les ressortir, mais... Dans le livre. Dans le Tenwa, donc le Tenwa, c'est la structure qui tient Calthéon et les 4 plans. Les 4 autres plans, au milieu du Tenwa, il y a ce qu'on appelle le corps. Alors le corps, c'est pour le coup un mystère un peu où qu'on laisse ouvert pour si les joueurs veulent faire quelque chose. Tout ce qu'on sait du corps, c'est qu'il y a une espèce de forme matérielle, mais on ne sait pas trop à quoi il ressemble. Et c'est un truc gigantesque qui surtout, c'est un peu le dieu des dieux. Dans le sens où, dans REIC, dans l'univers, les dieux sont mortels. Donc ils vont pouvoir être tués. Et ils peuvent être remplacés. Donc il y a aussi un système dans notre jeu pour qu'un joueur puisse devenir une divinité. C'est vrai. Il y a plusieurs religions et chaque religion est associée à un dieu et chaque dieu du coup a un champ d'action. Donc il y a plein de champs d'action différents, Talentir, dieu de la générosité, enfin voilà, il y a plein d'autres champs d'action. Chaque champ d'action aussi, on a expliqué pourquoi ce dieu en fait avait été désigné par le corps comme dieu de cette chose. Par exemple, en fait, c'est le corps qui décide qui devient dieu. Par exemple, Duralan, qui est le dieu du commerce, c'est quelqu'un qui a créé en fait le fait d'être dieu du commerce et qui est dieu du commerce depuis très longtemps, parce que c'est une personne qui un jour a arnaqué des dieux. Alors, il y a tout un truc qui est développé, mais c'est le premier à avoir réussi à arnaquer Elvar, le dieu de la justice. Et du coup, pour sa prouesse un peu de totalement inconcevable pour les gens, et ben le corps l'a élu dieu du commerce. Voilà. À côté, il y a des dieux qui, au contraire, se remplacent différemment. Par exemple, Vesan, le dieu de la duperie. En vérité, c'est Vesan 4, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il y a eu Vesan 1 qui s'est fait tuer par Vesan 2, puis tué par Vesan 3. Et pour devenir dieu de la duperie, il faut duper et tuer le dieu de la duperie.
voilà. Chaque religion a sa façon de voir, chaque endroit a sa façon de devenir un dieu, et c'est le corps qui décide qui va devenir dieu. Alors, du coup, c'est le MJ, mais nous, on aide les MJ en expliquant comment le corps décide. Et au MJ de décider s'il suit exactement le truc. Et du coup, si un joueur devient dieu, il aura les compétences liées à la divinité qu'il a acquérie et des pouvoirs spécifiques en fonction de le dieu de quoi c'est. Voilà. Et donc, le corps, il a désigné des dieux. Les dieux, ils arpentent Caltéon et ils savent que le corps leur a donné des pouvoirs, mais il n'y a pas une espèce de vénération du corps. Ils doivent rien au corps. Leur seul objectif en tant que dieu, c'est de faire en sorte que le domaine sur lequel ils sont le dieu prospère. Sinon, ils vont perdre en puissance, voire mourir. Donc, un dieu de la guerre va vouloir que les peuples s'affrontent. Voilà, des choses comme ça. Et un jour, il y a un bout du corps. Alors, on ne sait pas pourquoi. Pareil, là, c'est un mystère totalement ouvert qu'on laisse au MJ, parce qu'on pense que c'est important de le laisser ouvert. Il y a un bout du corps qui a été trouvé. Alors, un bout infime du corps, une espèce de boule noire, totalement infime, mais qui dégage une puissance colossale, monstrueuse, totalement impossible à maîtriser. C'est dire à quel point le corps, dans sa vraie forme, est surpuissant. Les dieux étaient incapables de le maîtriser. Et donc, ils ont dû créer un artefact en se disant, attends, si on arrive à ne serait-ce que maîtriser un peu cet infime bout du corps, on pourrait avoir un artefact très puissant. Et c'est là qu'est venu, du coup, le Reik, puisque les dieux se sont associés pour créer 4 autres bouts. Chaque bout a un nom, donc un nom qui commence par R, un nom qui commence par E, un par Y et un par K. C'est ça qui a donné Reik. En vérité, ils ont mis plein de symboles en fait sur leur bout du Reik. Ils l'ont associé, leur pouvoir, les trucs, etc., pour que réussir à avoir un artefact qui contienne un petit peu la puissance du corps et qu'elle soit un peu utilisable. Et en vérité, on l'appelle Reik dans Caltéon. Les dieux qui ont créé le Reik ne l'appelaient sûrement pas Reik, on ne sait pas comment ils l'appelaient, parce que c'est des dieux qui sont morts depuis. Les gens, quand ils ont découvert les bouts du Reik, notamment au moment de Belirus, ils ont eu beaucoup de runes divines totalement impossibles à comprendre, mais certaines d'entre elles, l'une d'elles ressemblait à un R, l'une d'elles ressemblait à un E, l'une d'elles à un Y, l'une d'elles à un K. Et donc, ils ont décidé en fait de nommer les bouts du Reik en fonction de ce qu'ils ont trouvé, de faibles choses. Donc, ils se sont dit, OK, le bout du R, eh ben, on va l'appeler le bout... Alors, j'ai plus le nom exact, hein, désolé, mais on va l'appeler le bout commençant par R, etc. Et en l'associant, du coup, on va appeler ça le Reik, parce que c'est les 4 lettres qu'on voit. Et par association, bon, bah, ils ont trouvé le nom Reik, ça aurait pu être Keir, mais ça a été Reik. Ok. Sur le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. On va passer à l'actu du jeu. Donc, il est actuellement en financement participatif. Hein, je viens de renvoyer les liens vers le Ulule. Est-ce que tu peux nous parler un peu du financement? Comment ouais. Ça se passe? Combien de temps il reste? De questions. Le palier en est. Paniquer. Mais non. Ben, le financement se passe encore mieux que je l'imaginais. Là, actuellement, on est à plus de 150%. Je crois qu'on est à 153% ou 154%. Et il reste 13 jours. 157. 157, ça veut dire qu'on a eu des achats depuis. Incroyable. Oh, fantastique. Incroyable. J'adore. Du coup, 157, c'est ouf. Et il reste 12 jours. Sachant que nous, de base, du coup, on avait demandé 8000. Bon, concrètement, 8000, ça suffit pas à faire toutes les impressions et tout, hein, mais c'est parce qu'on rajoute de l'argent de notre côté aussi, forcément. Mm-hmm. Et je me souviens que quand on l'a fait, du coup, on avait demandé 8000 et on était dans une panique extrême de est-ce qu'on va même atteindre 8000 pour un tout premier projet. On connaissait pas du ça tout. Ça paraît énorme. Hein. Mais c'est énorme, 8000, c'est colossal. Et c'est un tout premier projet. Le market qu'on faisait sur Insta, des choses comme ça, depuis un an, on avait des gens qui nous suivaient, mais on n'avait pas trop conscience de est-ce que ça marche vraiment. Ça se trouve, on fait pas du tout ce qu'il faut. Enfin voilà, c'est vraiment, on était en totale découverte de l'univers de l'édition. Et donc, on s'est dit, bon, bah, si on atteint 8000, c'est exceptionnel. On avait 2 mois de financement. On s'est dit, on devrait peut-être l'atteindre dans les derniers jours et il faudra tout donner pour réussir à l'atteindre dans les derniers jours. Et en fait, on l'a atteint en 7 jours et depuis, ça fait que monter, donc c'est incroyable. Ça nous a permis de débloquer des paliers en plus parce que on a des paliers forcément, des paliers où quand on les a écrits, on se disait ce serait incroyable que ça arrive, mais ça n'arrivera pas. Et c'est en train d'arriver. Et finalement, c'est fou. Bon, ça va nous demander du travail en plus, mais exactement. Mais en plus des paliers, clairement des choses que je voulais absolument voir dans le jeu,
Et bon, bah, malheureusement, il fallait aussi faire des choix parce que voilà, on n'avait pas l'argent pour, etc. Voilà, on ne pouvait pas tout faire. Mais en fait, c'est en train de se rendre petit à petit réalisable. On peut commencer à tout faire. Donc, je suis super heureux. Et j'espère que on est en train de chercher. Enfin, l'objectif maintenant, c'est les 200%. Enfin, ouais. En vérité, le palier objectivement est à 187,5%, mais c'est très moche. Donc on a dit 200%, mais le palier est débloqué. C'est bien les trucs ronds. Voilà. J'avais pas pensé en faisant les paliers, mais parce qu'on n'avait pas essayé de faire des marges ou autre. Donc en soi, le palier à 15 000, c'est parce qu'il nous faut pile 15 000, donc j'ai dit 15 000. Mais si on avait mis 16 000, ce serait plus joli, donc, malheureusement. mais en tout cas, le palier à 15 000, peut-être qu'il va atteindre. Ça, j'adorerais parce que ça veut dire qu'on pourrait réengager Maxime pour rajouter des élus. Et même si ah oui, c'est le prochain palier, ouais. Ouais, le prochain palier, ça, c'est on rajoute des élus faites par Maxime. On en a déjà, évidemment, mais moi, plus il y a d'élus de Maxime, plus je suis heureux dans le livre. J'espère qu'on va pouvoir l'atteindre. Et voilà, et c'est très cool. Et bah, là, justement, on a fait des concours sur Ulule. On a gagné le concours Pitch Pitch, où justement, il y avait quelqu'un qui était du jury qui va tester le jeu mardi. Mais où voilà, c'était un concours Ulule où on a participé sans trop de prétention pour présenter le jeu. Et finalement, bah, le jury nous a décerné la palme des projets. Donc, ça nous a permis aussi, De faire connaître déjà. Et de faire connaître. Ça nous a mis un peu sur les newsletters. Donc c'est super cool et surtout ça a prouvé que le projet, déjà les gens étaient intéressés et que même sur les plateformes, les jurys et tout étaient intéressés pour aider le projet, donc ça fait vachement plaisir, clairement on sent que ça fait pas 2 ans qu'on s'acharne pour rien et c'est un vrai kiff. Je vois que sur le palier 5 c'est scénario en livret là actuellement il y aura des scénarios dans le bouquin Oui exactement, alors le à 8000 de base, si on sortait le livre, c'était prévu qu'on ait des scénarios. Ça, c'était, voilà. Mm-hmm. On veut absolument un système où tu achètes le jeu, tu peux jouer en rentrant. Ouais. Et donc, tu as des scénarios aussi dedans. C'est des scénarios, c'est des scénarios d'introduction. Ensuite, on a passé le palier, c'était le palier 12 000, si je ne dis pas de bêtises. Oui, le palier 12 000 qui a rajouté des scénarios. Mm-hmm. Et donc là, le palier 12 000, on l'a passé déjà. Et donc... gratuitement maintenant on va, alors ils arriveront sûrement après quand même l'impression du livre parce que pour l'instant on va se focus sur l'impression et ensuite on en verra, c'est un PDF pour l'instant, plusieurs scénarios de mid level et aussi de haut level dont un scénario qui va permettre d'accéder à la divinité pour se rendre compte aussi de tout de suite mais voilà un scénario pour permettre d'accéder aux divinités pour aussi il y aura le système de base dans le livre, mais pour montrer aussi un style de scénario qui peut permettre d'accéder au rang divin. Donc voilà, donc là, tout ça, c'est prévu. Donc voilà, plusieurs scénarios gratuits. Et au long terme, on ressortira d'autres scénarios, des gratuits comme des payants. Mais là, tout ça, en tout cas, c'est offert à tous les contributeurs à partir du pack aventurier. Donc c'est le pack PDF. Donc s'ils achètent le PDF de Ray, ils recevront aussi gratuitement le PDF des scénarios plus tard. Ok, mais c'est chouette tout ça. Du coup, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais tu vois comment l'avenir de REC ? Est-ce qu'il y aura d'autres livres de scénarios ? Est-ce qu'il y aura des extensions, tout ça ? C'est quoi ? Ouais. Alors, tout est forcément toujours soumis à plein d'aléas de la vie, des choses comme ça, mais on a déjà des plans pour REC. Alors, de base, on a plusieurs plans. On a déjà l'idée de faire un livre de lore, mais ça, c'est un poil séparé, j'ai envie de dire, parce que le livre de lore, c'est quelque chose un peu optionnel, au sens où tout sera quand même disponible un petit peu gratuitement sur le site. Parce qu'encore une fois, on ne veut pas bloquer l'accès aux gens qui aiment le lore et aux MJ, parce qu'ils n'ont pas l'argent d'acheter le livre, c'est trop dommage de ne pas pouvoir avoir accès au lore. Donc, voilà. Mais ça sera un petit truc pour ceux qui aiment avoir du lore avec plein d'illustrations, des choses comme ça. À côté, on a plusieurs scénarios au fil des mois, des années aussi qui vont suivre parce qu'on veut faire vivre l'univers. Donc il y a des scénarios gratuits qui vont être distribués petit à petit sur notre site et des scénarios payants. Et ces scénarios payants, en échange, ils seront un peu plus développés et auront des illustrations, des choses comme ça. Là où les scénarios gratuits, ce sera des élus qu'on a déjà parce qu'on peut pas, vu qu'on n'a pas d'illustrateur dans notre équipe, on engage. Voilà. Et voilà, on est obligé. Mais par contre, ce sera même les gratuits, ils sont faits pour que ça dure plusieurs séances et qu'ils soient intéressants. C'est pas non plus un scénario fait à la va-vite en mode... voilà, le but, c'est quand même que quand on joue à nos scénars, ça fasse plaisir d'y jouer. Donc voilà.
Et on a aussi un projet de campagne. Alors, la campagne, ça va prendre du temps parce que c'est une campagne d'un truc qui... Un projet de campagne, c'est vraiment un livret où on va pouvoir jouer longtemps, plusieurs, beaucoup, beaucoup de séances pour accompagner des personnages très longtemps sur beaucoup de niveaux. Ça prendra beaucoup de temps à faire. Donc, c'est pas pour l'année prochaine, c'est sûr. Mais on veut le faire et on veut bien le faire. Donc, voilà. On prendra du temps à le faire, mais il est dans les bacs. Et donc, Ray qui va vivre beaucoup comme ça. Il y a... Bien sûr, on a déjà on a déjà des plans pour un monde en fait de Rake à explorer qui n'est pas décrit. Alors, on a laissé quelques petits indices dans le livre que vous pourrez découvrir petit à petit. Quelques petits indices dans le livre et dans les histoires qui décrivent un monde qui n'est pas même pas connu des dieux, mais quelques bribes de choses un peu cachées et de par où peut-être on peut réussir à explorer. Donc voilà, c'est quelques petits indices qu'on va disséminer un peu partout dans le livre, mais plus tard du coup on sortira le livre qui explique quel est ce monde et quelles sont les créatures qu'on peut y trouver, probablement de nouvelles espèces aussi, voire de nouvelles classes. Espèces c'est sûr, classes c'est encore à voir en fonction, mais c'est le but quand même. Donc ça sera vraiment un livre additionnel quoi, hein, pour ceux qui veulent rajouter du contenu, des choses comme ça. Et vu qu'on a quand même fait une maison d'édition, le but c'est pas faire que Rake, on a d'autres projets de jeux de rôle déjà dans les bacs qui vont... Font... Ah bah voilà. Pardon, voilà. Je t'ai volé ta question. Non, bah vas-y, continue hein. Bah on a d'autres projets de jeux de rôle. Alors là, je peux pas les donner maintenant parce que c'est tellement à l'étape de conception que c'est trop susceptible à plusieurs changements et que je voudrais pas faire une fausse publicité. Mais on a déjà nos projets, c'est des projets auxquels on pensait depuis longtemps, depuis même avant la création des éditions, quand on avait commencé à faire des trucs entre nous. Donc on a d'autres toujours jeux de rôle. Toujours du médiéval fantastique. Pardon ? Toujours du médiéval fantastique ? Alors là, on sera plus sur du technologique fantastique. Okay. Avec, vu que c'est un fond dystopique, forcément on aura un peu en retour en arrière des technologies, ce qui font que certains se battront peut-être au corps à corps, etc. Mais on sera majoritairement sur les technologies fantastiques pour essayer un peu justement de changer. Donc voilà, alors, il y aura toujours beaucoup la thématique du voyage parce que j'y suis très attaché, donc je pense que ce sera souvent un fil rouge de beaucoup de nos jeux de rôle, la thématique du voyage. Mais voilà, pour l'instant en tout cas le projet est sur le feu, mais il est... Pour l'instant, on se focus sur Rake et quand on sentira que Rake s'est assez lancé, là, on commencera à penser à la conception de l'autre. Ça marche. Juste une petite question, du coup, sur les choses en préparation. Ce sera un tout autre système de jeu ou en fait, vous allez continuer à développer à peu près la même chose pour les... Alors, autres jeux ? Encore une fois, c'est tellement... juste pour l'instant, c'est trop tôt pour voir si les règles s'adapteront bien à l'univers qu'on fera, parce que nous, notre règle qu'on fait, c'est d'abord on fait bien l'univers, puis on fait les règles en fonction pour pas qu'il y ait des règles contradictoires avec l'univers. Et donc voilà, mais le bien. Plan quand même, c'est mieux. mais le plan quand même, c'est bah, là, on a fait notre système des éditions Labragon pour Rake, forcément. Si on voit que la base est, bah, on voit que la base est solide et fonctionne, le but c'est de reprendre les bases du système, mais qui seront adaptées pour faire en sorte que ça fonctionne bien avec cet univers-là. C'est mieux. Est-ce que on en arrive à la dernière question ? Il n'y a pas eu de questions sur le chat. N'hésitez pas. Hein, j'ai plus qu'une question, les gens. Donc, est-ce qu'il y a des événements prévus pour promouvoir le jeu prochainement ? Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Oui. Alors, on est sur tous les réseaux sociaux, édition Labragon, on nous trouve un peu partout. Je mets les liens. Oh, c'est gentil. là, en ce moment aussi, déjà, alors, c'est pas trop promotion, mais ça va être pour le Ulule quand même, où on sort des séries de vidéos sur YouTube, outre le Twitch. Donc, je fais tous les jeudis, sauf ce soir forcément. Mais sinon, tous les jeudis, il y a des priorités, bien sûr. tous les jeudis, je fais Rake sur Twitch, sur ma chaîne Brombeer, ma chaîne Twitch, où bah, du coup on fait une aventure et on la reposte aussi sur YouTube en VOD pour les gens. À côté, on a créé une chaîne YouTube Rake le jeu de rôle ça s'appelle, et là-dessus on présente plusieurs formats. Alors pour l'instant il n'y a qu'un format qui est sorti. On présente en fait des points de règles d'une façon un peu sympa à suivre, où je suis cosplayé, où on fait des petites aventures avec un personnage qu'on suit dans l'univers de Rake qui s'appelle Bader et qui va beaucoup souffrir pour le bien de la compréhension des règles. Mais ah là voilà, là. Vous pouvez découvrir ça.
Et bientôt, là, il y a des nouvelles vidéos qui vont sortir avec Esté, donc celle qui a écrit le lore, qui va présenter, là, c'est un concept un peu plus posé, où on peut vraiment se poser pour écouter plus qu'autre chose, qui va parler de plusieurs mythes de l'univers de Rey, qui va commencer, la prochaine vidéo qui sort, c'est sur la création même de l'univers et sur la création du Ténois, donc toute la structure qui maintient Caltéon et les quatre plans, sur comment ça s'est créé, donc une vidéo qui va bientôt sortir. Et enfin, bah là, on a la Mess Story qui arrive le 20 et 21 mai, qui est une convention. Et donc, la Mess Story, on y sera, on a un stand et on fait tester gratuitement le jeu tout le week-end. C'est des one-shots de 1 heure par groupe de 4 joueurs. Donc voilà, si jamais vous êtes sur Mess à ce moment-là ou à la Mess Story, n'hésitez pas, ce sera un plaisir de vous faire tester. Totalement gratuit et on explique toutes les règles et tout l'univers au départ, donc il n'y a pas de souci. Attends, Mess Story. Ah, j'ai trouvé le lien, je vais le mettre. Incroyable. Ah là là. Que d'émotion, j'ai réussi. Ok, bah ça en fait des choses. Est-ce qu'on a peut-être une chance de vous croiser à Octogone ou en convention? Ouais, bah alors, les conventions, on en fait. Là, pour l'instant, bah, comme la Mess Story, hein, le but, c'est d'augmenter le nombre de conventions. Maintenant... Je préfère quand même, là c'est une décision commune qu'on s'est faite, c'est que après le Kickstarter, on va continuer à faire des news évidemment et tout, de l'avancée du projet. Mais vu qu'on va avoir atteint le stade où on a fait assez de tests pour se rendre compte que tout est bien balance, on va un peu les continuer, mais on va préférer quand même se focus sur la fin de production. On va se focus un peu sur la fin de production pour nous assurer qu'on ne soit pas en retard sur la livraison. Parce qu'il y a toujours ces risques-là avec les imprimeurs, la crise du papier en ce moment, voilà. Donc il y a plein de facteurs externes qui pourraient causer des retards. Et vu qu'on veut au maximum éviter ça, on se concentre sur la production. Voilà, on fait un focus de production. Donc on va peut-être qu'on va être sur une ou deux conventions, mais pas sur beaucoup, pour être honnête. Ensuite, une fois que ça se sera fait et qu'on se sera assuré que tous les backers ont bien leur jeu, là on va beaucoup plus augmenter le volume de conventions. Ou toujours, on aura le même système, on proposera de tester le jeu gratuitement, libre à la personne d'acheter ou non le jeu après, mais en tout cas, notre but, c'est vraiment de donner une expérience avant et la personne se fait son avis après. Et une fois que tout ça sera fini, le livre, on pourra le trouver où? En boutique ou sur votre site internet? Comment que ça va se passer? Une grande question. C'est une très bonne question qui va beaucoup dépendre de la réussite du projet, dans le sens où c'est déjà une grande réussite, évidemment, notre Ulule, mais... en gros, pour être parfaitement cash, hein, en fonction du nombre d'impressions qu'on fait, le coût unitaire du livre est différent. Et pour nous. Quand on vend sur notre site, c'est bon, on arrive à dégager une marge assez normale pour réussir à pouvoir continuer les productions. Quand on donne nous-mêmes, si on le vend à une boutique, notre marge est très réduite. On se fait quasiment rien même. Mais c'est pas trop grave, on s'en moque, parce que c'est plus pour le plaisir que des gens achètent le jeu en boutique et le découvrent comme ça. Donc c'est plus pour le kiff qu'autre chose. La visibilité mais... aussi. Oui, aussi, la visibilité, c'est sûr. Mais ça venait beaucoup d'un truc où on s'était dit, quand on avait créé le jeu, c'était la première phrase qu'on s'était dit, c'était même si le jeu ne marchait pas et tout, notre but, c'est qu'il y a une personne en France qu'on connaît pas, qui achète le jeu et qui l'adore. Voilà, et qui fait des tests avec ces trucs. Donc si une personne un jour découvre notre jeu en boutique et l'achète, et voilà, bon, finalement c'est le cas avec Ulule, donc tout est bon. Maintenant notre but, c'est qu'il l'adore. Mais voilà, donc pour le plaisir de le voir en boutique, forcément. Mais le problème, c'est que les boutiques rarement acceptent d'acheter un livre à la maison d'édition directement. Ce qu'ils font, les boutiques, leur système généralement, hein, c'est qu'ils ont des distributeurs. Donc c'est des distributeurs qui leur proposent des jeux chaque mois. Ils vont acheter ou non, mais généralement ils font confiance au distributeur. Donc voilà. Et le distributeur, donc c'est encore quelqu'un à contacter avant la boutique, qui lui aussi prend une part forcément du prix du bouquin. Et donc là, avec avec le niveau du Ulule actuel, faut voir si on arriverait à imprimer assez pour que le coût unitaire du livre soit assez bas pour qu'on puisse passer par un distributeur. Parce que vu qu'il y a en France, une interdiction légale de vendre à perte. Moi, si je pouvais, quitte à perdre 30 centimes par livre, centimes, mais en envoyant au distributeur, ça me ferait plaisir pour que ça soit distribué partout, mais c'est illégal. Donc, le but, c'est si jamais on a une somme assez importante sur le Ulule et qu'on peut, du coup, lancer assez de livres en impression, à ce moment-là, on le passera en distributeur pour qu'il soit bien disponible un peu partout en boutique. Si jamais on n'a pas réussi à avoir une somme qui permet autant d'impressions que ça, c'est pas grave. Bon, tous les backers, évidemment, auront leur livre. Et les stocks supplémentaires, à ce moment-là, ils seront
aux boutiques qui auront accepté de nous acheter en tant que particulier à particulier, mais sinon sur notre site internet, directement, commande, livraison. Les stocks seront chez moi, donc ça ira vite. Alors, c'est peut-être une question un peu bête, mais j'ai souvent vu justement sur les Ulule ou autres des packs dédiés aux boutiques. Ouais, on a un pack boutique aussi. Maintenant, alors pour l'instant, en pure transparence, de toute façon ça se voit sur le Ulule, on n'a pas encore eu de boutiques qui ont acheté le pack boutique. J'ai déjà discuté avec des boutiques qui m'ont dit qu'elles avaient l'intention, mais après, entre avoir l'intention et vraiment le faire, faudra voir si ça arrive vraiment. On a bien un pack boutique, pour les convaincre. Exactement. On a un pack boutique, mais si vous êtes dirigeant de boutique, n'hésitez pas, vraiment. Pour l'instant, on attend de voir. Là, le pack boutique, il n'est pas encore parti, mais peut-être qu'il y a des boutiques qui vont se convaincre sur la fin du projet. Ok, ce serait chouette. Bah ouais, carrément, ce serait génial. Ah là là. Eh ben, on a fait le tour de mes questions. Est-ce que tu veux parler de quelque chose en particulier pour terminer ? Moi, ce que je dis toujours, c'est si jamais vous voulez vous faire un avis de l'ambiance, je ne sais pas si je peux mettre le lien sur ton chat du trailer de Rake, mais je trouve que si jamais vous avez envie de vous faire un avis un peu de l'ambiance qu'on essaie d'instaurer dans notre jeu, j'essaie de vous mettre le lien plus joli, voilà, c'est bon. Je vous le mets dans le chat. Si... Attends. Je l'ai mis, ça y est. Je te l'envoie sur Discord si tu veux. Ah bah incroyable. Incroyable. Voilà. Donc si jamais vous voulez vous faire un avis, je trouve que c'est à mon avis le meilleur plan. N'hésitez pas aussi à passer sur le Ulule, mais voilà. Avec ça, vous aurez vraiment l'ambiance et une première présentation de ce que vous allez pouvoir voir dans Rake, des illustrations aussi. Donc voilà. N'hésitez pas. Et je fais parce que je suis très content de ce trailer, je l'aime beaucoup, donc j'espère qu'il vous plaira aussi. Je reste fier de son travail. Et puis surtout, rendez-vous dans 5 jours, hein, mardi, oui. On fait l'actual play avec toi-même en MJ. Et on aura qui en joueur ? On aura Atina, Tomoun et le dernier... Attends, j'ai perdu ma fenêtre. C'était l'Horoliste, hein ? L'Horoliste, ouais. Voilà. Donc, rendez-vous mardi soir, les gens ? N'hésitez pas. Voilà, 21h comme d'habitude. Et du coup, c'est maintenant qu'on va se quitter. Juste, on se retrouve demain soir sur ma chaîne pour le grand final, enfin, de la campagne Mask Steampunk. Donc, on va tout faire péter demain soir. Donc, à demain. Bonne soirée à tous. Des bonne bisous. Soirée tout le monde.